Bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est La Tronche en live numéro 112, hein, c'est ça? Ah ça oui. Voilà, avec... J'ai oublié son nom. Cric-quatre-quoi. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? À de telles questions, on dit souvent que la science est impuissante à répondre, ce n'est pas son rôle. La réponse est toujours subjective, elle dépend de votre culture, de l'époque où vous vivez, de votre éducation, de mille paramètres, de votre environnement. Sur ce qui est bien ou mal, nous constatons des désaccords irréductibles à travers le monde, mais également à petite échelle, à la maison ou au travail. Une impossibilité de mettre tout le monde d'accord. Et puisqu'un consensus semble tout à fait exclu, comment imaginer que la science puisse se mêler à cette affaire? Tout cela est si évident que nous n'avons aucune raison de faire une émission qui poserait la question ridicule des bases biologiques de la morale. Sauf qu'on le fait quand même, parce que les évidences méritent qu'on les questionne. Évidemment, nous ne trouverons jamais le gène de l'altruisme, la protéine de l'égalité, le neurone de la fraternité ou la glande de l'allergie à l'hypocrisie. Aucun programme de recherche intense un peu sérieux n'envisage un tel réductionnisme. Mais vous devez quand même avoir conscience, vaguement, que pour éprouver un jugement moral sur une situation, il faut un cerveau. Avec ses neurones, ses neurotransmetteurs, ses glycoprotéines, ses domaines développés sous l'influence de gènes, d'une biochimie complexe, de contraintes structurales, d'un héritage biologique. Il faut un cerveau pour être moral, et le cerveau est un organe produit par la nature au fil du temps, à travers les méandres de l'évolution, selon des modalités qui ne sont pas totalement mystérieuses. Et cela amène des chercheurs à enquêter sur l'existence d'une sorte de grammaire morale qui pourrait être universelle. Je te la mets de côté. C'est gentil. En effet, des travaux effectués sur diverses populations ont mis en évidence des constantes dans les jugements des humains, qu'ils soient étudiants en fac de psycho, membres de sociétés de chasseurs-cueilleurs ou bambins pas encore doués de parole. Il y a en nous une propension à réagir d'une manière prévisible à des situations de nature morale. Et on retrouve une partie de ces réactions dans le monde animal. Nous avions évoqué cela dans La Tronche en live numéro 31. Nous étions jeunes à l'époque, au mois d'août 2016, avec un certain Stéphane Debov. Depuis lors, Stéphane a écrit un livre remarquable, il est ici, « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal », qui a reçu le prix du livre sur le cerveau 2022, remis par la revue Neurologique. Et il continue son travail de vulgarisation sur sa chaîne Homo. Tu vois le bouquin, hein? On va en reparler un peu. Sur sa chaîne Homo Fabulous, voilà, où il s'est donné pour mission de désamorcer les très nombreuses incompréhensions que suscite le sujet de ce soir. Il est très mal vu, figurez-vous, de naturaliser un phénomène aussi hautement intégré dans les processus culturels que la moralité. On se demande si ce n'est pas une manière d'imposer une vérité morale en instrumentalisant la science. Du reste, on peut légitimement se demander si l'on dispose seulement d'une définition de la morale qui autoriserait à tirer la moindre conclusion. N'est-ce pas une façon de dépouiller les individus de leur libre arbitre en prétendant savoir mieux que chacun en prétendant savoir mieux que chacun d'entre nous les vraies raisons de nos jugements et de nos raisonnements moraux? N'est-ce pas ouvrir la porte aux pires manipulateurs? N'est-ce pas profondément immoral? Stéphane Debov, vous n'avez pas honte? Non, ça va, je me sens bien. Parfait. Bon, l'intro était pas mal, hein, bravo. Je te remercie, j'ai fait de mon mieux. Alors, il y a peut-être des choses qui ne t'ont pas paru correctes ou qu'il faudrait corriger d'emblée sur ce que j'ai dit? Ou ça va en gros? Non, juste un truc que je voudrais corriger d'emblée, c'est que ce serait mal vu d'essayer de naturaliser la morale. Alors c'est vrai dans certains milieux, mais je pense que c'est, au final, c'est quand même des milieux assez spécifiques. Et moi, par exemple, quand je parle de ces recherches à monsieur et madame tout le monde dans la rue, en général, c'est bien accepté. Donc je ne pense pas qu'il faut véhiculer trop l'idée que ce sont des recherches controversées. Il y a énormément de personnes pour qui c'est quelque chose de naturel. C'est naturel. Oui, mais le fait est que dans la mesure où notre terrain d'action, c'est Internet et que des réseaux sociaux comme Twitter sont très très connus par beaucoup de nos followers, bon, c'est quand même bien de le rappeler, mais je te remercie de rappeler qu'en dehors de Twitter, il y a certaines choses qui ont cessé d'être des soi-disant sujets de discorde. Exactement. Twitter n'est pas le vrai monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ta chaîne Homo Fabulous? Pas un faux non plus. Pardon? Ça n'en est pas un faux non plus, non, mais il ne faut pas non plus tout cristalliser dessus. Donc Homo Fabulous, ça fait combien de temps que tu fais ça déjà maintenant?
Ben, je pense que j'avais commencé juste avant de venir vous voir. Donc, si tu dis que c'était en 2016, j'ai dû commencer début 2016 ou même 2015. D'accord. Et le but, ben, la description de la chaîne, ça n'a pas changé depuis l'époque, hein. C'est biologie et sciences cognitives pour mieux comprendre le comportement humain. Alors, évidemment, ça va nous faire comprendre qu'une facette du comportement humain, mais j'avais l'impression, surtout à l'époque, qu'on n'entendait pas assez parler de tous ces sujets, de toutes ces recherches. Et donc, moi, mon focus, quoi, c'est de vulgariser cette partie-là des recherches sur le comportement humain, les recherches qui sont rattachées à la biologie et aux sciences cognitives. Alors, c'est vraiment très, très général, hein. En fait, dans sciences cognitives, tu peux aussi faire de l'anthropologie, de la sociologie, tu peux faire de la biologie, des neurosciences. Les sciences cognitives, c'est très large, donc ça m'amène à parler de plein de sujets différents. Mais c'est vrai qu'il se trouve que depuis 4 ans, là, j'ai été très occupé par la réalisation d'une série. Alors d'abord sur la morale, qui m'a bien pris 1 an ou 2 à réaliser. Ensuite, j'ai écrit un bouquin. Donc le bouquin que tu as entre les mains, c'est une adaptation de cette série de vidéos que j'avais fait sur la morale. Et ensuite, depuis plus d'un an et demi maintenant, je suis occupé à faire une série de vidéos sur la psychologie évolutionnaire, qui est, bon, on aura peut-être le temps d'en Ce sera reparler, mais notre troisième qui... partie pour parce que voilà, c'est le cadre quand même des choses que tu expliques, tu les tiens de cette discipline en majorité. Exactement, c'est le cadre général de recherche dans lequel on a fait tous ces travaux. Et qui est aussi assez mal comprise, comme tu disais. Il y a beaucoup d'idées reçues et de malentendus sur ces disciplines, donc j'essaie de dissiper quelques idées reçues. Et toi, donc, parce que de quel droit tu parles de tout ça? C'est quoi ta formation à la base? Tu as un doctorat, tout ça? Ouais, donc formation, licence de biologie, master de sciences cognitives, et ensuite j'ai fait une thèse qui n'était pas vraiment rattachée à une discipline particulière. Bon, c'était quand même très axé biologie et sciences cognitives, c'était un mélange de mes études, mais je pourrais pas te citer une discipline qui ressortait plus qu'une autre. Et le sujet de la thèse, c'était l'évolution de la morale. Donc voilà, c'est de Donc là c'est que me ton viennent sujet, voilà. exactement. C'est le cœur de ton sujet. Alors, donc partie 1, on s'intéresse aux définitions. Et là, on a un problème parce que la morale, c'est un sujet d'abord de philosophie, historiquement. Moi, je suis pas très bon en philo, on fait ce qu'on peut. Et la morale, je crois qu'elle n'est pas quand même toujours très très bien définie. Enfin, si, il y a des définitions, mais est-ce qu'elles font consensus? Comment est-ce que on peut définir la morale, peut-être d'abord un peu chez les philosophes, et puis après, toi, dans ta discipline, quoi, qui sont plutôt les sciences cognitives? Alors, chez les philosophes, on a surtout des philosophes qui ont cherché à faire des théories de la morale. Les trois plus connus, je pense que c'est le conséquentialisme, le déontologisme et ce qu'on appelle l'éthique des vertus, qui est un petit peu moins connu que les deux autres. En fait, ce sont des théories qui ont cherché, qui étaient plutôt normatives, ça il faut le dire, ce sera aussi un point important de différence entre moi et les philosophes. C'est que souvent, les philosophes, quand ils ont travaillé, ils ont essayé d'établir des théories dites normatives ou prescriptives, c'est-à-dire qu'ils essayaient de trouver la bonne façon de se comporter. Tandis que moi, toutes mes recherches, elles n'essaient pas de dire aux gens comment ils doivent se comporter, elles essaient juste de comprendre la façon dont les gens se comportent. Moi, j'essaie de comprendre la morale telle qu'elle est produite et pratiquée par les gens. Je ne suis pas en train d'essayer de dire c'est comme ça que vous devez vous comporter. Moi, Et bon, ouais. enfin, juste parce que du coup j'ai regardé Wikipédia. Alors, il y a plein de défauts, et puis là en l'occurrence je ne suis pas sûr que ce soit très bien, mais Wikipédia, morale, science du bien et du mal, théorie de l'action humaine soumise au devoir et ayant pour but le bien. Moi, Eh bien, il y a le mot science du bien et du mal, quoi. chère personne qui connaissait bien la morale, votre devoir est d'aller corriger Wikipédia si cette définition ne vous convient. Parfaitement. Et c'est comme ça qu'on améliorera cette merveilleuse encyclopédie universelle pour tout le monde et tout. Donc là, je ne suis pas sûr que ce soit les bons termes pour définir la morale. N'empêche Je ne que, pense pas non plus. voilà, c'est une référence que je donne. Est-ce que la science du bien et du mal, c'est possible? Est-ce que c'est ton but? Ouais, alors je peux peut-être donner une analogie pour ces questions de définition. En fait, moi, j'aime pas trop en général donner une définition de la morale parce que je considère que c'est mon objectif de trouver une définition de la morale, c'est pas mon point de départ. Et je peux par exemple faire un parallèle avec le sens de la vue. T'imagines que si j'avais travaillé sur la vision plutôt que la morale et que tu m'avais demandé, donne-moi une définition de la vue, de la vision, j'aurais pu te dire, la vue, c'est ce qui se passe quand j'ouvre les yeux, par exemple. Donc c'est une définition qui est acceptable et en fait on pourrait faire la même chose pour la morale. On pourrait dire la morale c'est ce qui se passe quand je suis dans telle situation, telle situation, telle situation.
C'est-à-dire qu'on pourrait définir la morale en faisant un catalogue de toutes les situations qui vont m'évoquer des jugements moraux. Donc ça, c'est un peu une première façon de travailler. Après, tu aimerais bien aller un peu plus loin, tu as l'impression que cette définition n'est pas tellement suffisante. Donc ce que tu aimerais bien faire, c'est essayer, par exemple pour la vue, tu pourrais dire la vue, c'est le programme cognitif qui fait que certaines ondes électromagnétiques sont transformées en sensations, en images dans mon cerveau. Donc ça, c'est une définition qui va un petit peu plus loin, mais elle fait déjà appel à des concepts scientifiques qui sont plus compliqués et qui sont surtout récents dans l'histoire des sciences. Tu as par exemple le concept d'onde électromagnétique. Il y a un concept qui apparaît qu'au 17-18e siècle, je pense. Tu as le concept de programme cognitif, qui lui est un concept qui apparaît dans les années 50-60 avec le début des sciences cognitives. Donc en fait, tout ça pour dire que si tu avais demandé à quelqu'un qui habitait au Moyen-Âge c'est quoi la vision, il aurait été incapable de te donner une définition précise comme ça qui fait appel à tous ces concepts scientifiques. Et le boxipito, ce n'était pas son truc, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je pense que dans le cas de la morale, on est un peu dans cette même situation, c'est-à-dire que la science n'est pas encore assez avancée pour arriver à comprendre à quoi exactement elle réagit, quels sont les stimuli de l'univers auxquels notre sens moral peut réagir. Mais c'est notre but d'essayer de trouver ces stimuli. Et pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, le parti pris, en tout cas l'espoir de toutes les recherches qui essaient de naturaliser la morale, c'est de dire que la théorie de l'évolution, elle va nous aider à trouver cette définition de la morale, exactement de la même façon que la théorie de l'évolution, elle nous a déjà aidé à comprendre ce que c'était la vision. Parce qu'évidemment, si tu veux expliquer pourquoi il y a certains êtres vivants qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques, tu as besoin de faire appel à la théorie de l'évolution pour dire que être sensible à ces ondes, c'est un moyen facile et très performant pour obtenir de l'information sur l'environnement qui t'entoure. Et c'est trivial, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres êtres vivants qui vivent dans le noir toute la journée, dans des cavernes. Eux, ils ne vont pas avoir de sens de la vision, ou alors ils vont avoir un sens de la vision qui est atrophié. Ils vont avoir des yeux qui sont atrophiés. Et en fait, la théorie de l'évolution, elle peut même aller encore plus loin. Elle peut te permettre de comprendre pourquoi on est sensible seulement à certaines ondes électromagnétiques. Parce qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas sensible à toutes les ondes qui existent dans l'univers. On est seulement sensible à une gamme qu'on appelle le spectre visible. Et par exemple, nous, on n'est pas capable d'être sensible aux ultraviolets. Mais d'autres êtres vivants, comme les abeilles et un certain nombre d'insectes, ils sont capables de détecter les ultraviolets. Et pour expliquer ça, pour expliquer pourquoi ils sont sensibles à ces ondes, encore une fois, tu es obligé de faire appel à la théorie de l'évolution en disant qu'être sensible aux ultraviolets, c'est très utile parce que ça va te permettre de discriminer entre les différentes fleurs, par exemple. Oui, mais ça, c'est... Et donc, dans la mesure où il y a... Pardon, mais là, comme il y a coévolution, c'est aussi peut-être un peu les plantes qui ont exploité la capacité des insectes à repérer des... Donc, oui, oui, bien sûr. Où ça commence, c'est plus simple pour la caverne, parce que là, la caverne, elle n'a pas de coévolution, mais dans le rapport insecte-plante, c'est plus compliqué. Oui, oui, bien sûr qu'il y a une coévolution qui est une petite complication du truc, mais c'est pour dire que si tu veux donner du sens aux stimuli de l'univers auxquels les êtres vivants sont sensibles, en général, tu fais appel à la théorie de l'évolution. Je vais citer la phrase de Dobzhansky, rien en biologie ne fait de sens en dehors de la théorie de l'évolution. Oui, exactement. Et donc l'espoir, c'est qu'on puisse faire la même chose avec la morale, c'est que la théorie de l'évolution puisse nous permettre d'illuminer ce phénomène de la morale et de nous permettre en particulier de comprendre à quels stimuli de l'univers répond notre sens moral, dans quelle situation notre sens moral va être déclenché, mais que tu puisses dire quelles sont les propriétés de ces situations et pas seulement faire un catalogue de toutes les situations. Voilà, c'est ça l'objectif de nos recherches. Vlad ? Oui. Je te sentais prêt à prendre la parole, non, c'est tout vrai ? Ah non, je vois beaucoup de personnes qui s'agitent dans le chat au sujet de la définition de la morale, mais il y a patience, on est dessus. Il y a une question, mais je ne suis pas sûr qu'on soit les bons pour en parler. La différence entre morale et éthique, si tu as un deux mots. Alors ouais, ça dépend des gens, il n'y a pas de définition universelle, mais il y a une distinction qu'on fait souvent, c'est que la morale, ça relève plus du jugement personnel et que l'éthique, ça va relever de la décision collective. C'est pour ça qu'on parle souvent d'éthique, par exemple, au niveau des professions, qu'on parle de l'éthique des médecins, etc. Oui. Mais après, est-ce que c'est vraiment justifié ? Parce qu'au final, les décisions collectives, elles sont toujours faites à partir de jugements personnels. Donc, voilà, moi, je ne trouve pas que c'est une distinction très, très, très intéressante, mais il y a certaines personnes qui font cette distinction-là. D'accord. Et donc, dans les sciences cognitives où tu travailles, tu as dit, hein, l'un des buts, c'est justement de raffiner les définitions qui sont en place pour arriver à avoir une définition qui n'est pas juste un catalogue, mais qui explique
la genèse du phénomène. Et tu m'as parlé de la morale fonctionnelle, et je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça, et je ne sais plus à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux... Mais apparemment, c'était utile qu'on en parle. Je ne me rappelle plus non plus pourquoi on a dit ça, notes, mais c'est juste... Ouais, c'est, en fait, c'est une des façons de définir la morale, c'est de la définir par la fonction. Exactement, si on reprend, si on reprend la vision, si je reprends l'analogie avec la vision, une des façons de définir ce que c'est la vision, c'est de la définir par ce qu'elle fait. Donc, c'est un programme cognitif qui te permet de transformer les ondes électromagnétiques en images, etc. Et donc, une des façons de définir la morale, ce serait de faire la même chose, c'est d'essayer de trouver la fonction du sens moral, c'est-à-dire la raison pour laquelle il aurait évolué au cours de l'évolution. Tout à fait. Et donc, la démarche, tu m'as dit, c'est donc partir du terrain, partir des comportements qui existent, et pas avoir une théorie où on imaginerait ce qu'on voudrait être reconnu comme étant bien ou mal, partir des jugements et trouver comment ça marche, quoi. Et c'est quoi les programmes de recherche ou les changements de paradigme récents sur le sujet, qu'on comprenne un peu, ça fait quoi un chercheur sur ces questions-là? Alors, il y a vraiment plein de façons d'aborder le problème. Je pense que ce qu'on peut discuter à la base, c'est déjà, rien que la base, c'est pourquoi on pense qu'il puisse y avoir des bases biologiques à la morale, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes pour qui c'est encore assez mystérieux. Et c'est vrai qu'en fait, moi, souvent, quand je dis que je travaille sur la morale, la première chose, et que je demande aux gens, par exemple, leur avis sur d'où vient la morale, la première chose qu'ils vont me répondre, c'est ce que tu disais en introduction, que ça vient soit de l'éducation, donc c'est quelque chose que nos parents nous ont appris, soit de la religion, pour ceux qui ont été dans un environnement plus religieux pendant leur enfance, ou soit de la culture au sens large, donc ça peut être des trucs que tu entends, mais ça peut aussi être des institutions, la loi, etc. Et donc, c'est quasiment certain que tous ces trucs-là, ils ont un rôle pour expliquer les jugements moraux, mais par contre, il y a un certain nombre de données qui nous font penser que ça ne peut pas être la seule explication, que ce ne sont pas des explications suffisantes pour expliquer entièrement les jugements moraux. Alors ces données, tu en as évoqué quelques-unes dans ton introduction, c'est les expériences interculturelles. Donc les expériences interculturelles, c'est tout simplement, on va... Alors il y a différentes façons de faire, encore une fois, on peut soit faire comme les anthropologues, aller dans différentes sociétés de chasseurs-cueilleurs et regarder si on observe une diversité de jugements moraux. Soit on peut faire des expériences directement, des expériences de psychologie ou d'économie comportementale dans différentes cultures. Par exemple, des expériences de partage pour voir si les gens ils partagent plus ou moins de la même façon. Et en faisant ces expériences, on se rend compte qu'il y a une variabilité, bien sûr. Hein, les gens n'ont pas les mêmes jugements tout partout. Mais il y a aussi une certaine régularité. On va retrouver, en creusant derrière cette variabilité, on va retrouver des régularités morales. Donc des trucs comme, être loyal envers son groupe, respecter l'autorité ou faire de la réciprocité, c'est-à-dire si quelqu'un t'aide, tu vas l'aider en rechange, en échange, en retour. Ça, ce sont des trucs que tu trouves dans quasiment toutes les cultures que tu as testées. Donc il y a ce genre de données qui a l'air de montrer qu'on trouve des régularités morales derrière la variabilité quand on creuse. Mais pourtant, on voit bien que les sociétés sont différentes, que ce qui nous paraît normal chez nous et inversement est choquant ailleurs, que les punitions, que les codes de loi punissent pas toujours les mêmes choses. Même si, en partie, oui, mais des fois, il y a des grandes exceptions. Donc là, je me fais l'avocat du diable pour dire, mais enfin, on voit bien que c'est pas naturel, que c'est très culturel, que c'est très dépendant de l'environnement. Et que nous, on est même choqués par certains jugements qu'on peut voir dans d'autres pays. Ouais, voilà, on arrive sur les explications. Donc la réponse à ça, c'est de redire tout de suite, oui, effectivement, mais quand tu creuses derrière cette variabilité, tu retrouves quand même des régularités. Ça, c'est un des moyens de répondre. Et un des deuxièmes moyens de répondre, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou si on continue sur les bases biologiques, c'est de dire que ce n'est pas parce que tu postules qu'un sens moral a évolué par sélection naturelle, un sens moral à des bases biologiques, que tu postules forcément que tout le monde va avoir les mêmes jugements tout le temps, dans toutes les situations, dans toutes les cultures, etc. On a des moyens d'expliquer la variabilité avec des approches des sciences cognitives, donc notamment en postulant que la morale est plus un algorithme qui fait des calculs plutôt qu'une collection de principes ou une collection de droits. Très bien. On en reparle tout à l'heure qu'on va développer dans la partie 2. Juste, il y avait quelqu'un qui, dans le chat, a expliqué que M. Phi
le collègue vidéaste qui parle de philosophie aurait expliqué qu'en philosophie, les mots éthique et morale sont quasiment interchangeables la plupart du temps. Donc voilà. En philosophie de la morale, attention. De la morale. Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans la philosophie, dans les philosophies, et voilà. Entendu. Ouais. Alors, donc, quand même, pourquoi une approche biologique ? Donc, on a parlé des différences interculturelles. J'ai évoqué dans l'introduction la morale animale. Quelqu'un dans le chat a posé la question. On l'avait évoqué déjà quand tu étais venu. Alors, en deux mots, c'est beaucoup dire qu'il y a de la morale chez les animaux, mais on peut au moins voir de la proto-morale. Et où on en est où de cet avis-là en science ? Alors, pour moi, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois où j'étais venu il y a 6 ans. J'ai toujours le même avis, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché, donc tu demandais tout à l'heure comment travaillent les psychologues évolutionnaires ou les gens dans ce domaine. On a parlé de l'anthropologie. Ça, maintenant, la primatologie ou l'éthologie en général, c'est un autre moyen de travailler, de faire des expériences pour comparer les espèces. Ce que montrent ces expériences, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il existe de la coopération et de l'altruisme dans un très grand paquet d'espèces. Ça fait même des dizaines d'années qu'on le sait. Ceux qui pensent encore que la nature, c'est la lutte de tous contre tous, c'est vraiment une vision complètement dépassée. On trouve énormément d'entraide, de coopération et d'altruisme chez les êtres vivants, que ce soit chez les fourmis, chez les oiseaux, chez les poissons, etc. Oui, ça rappelle. Par contre, de la morale. Ouais, ça rappelle un peu ce grand paradoxe qui a été expliqué entre guillemets par le gène égoïste de Keynes dans les années 70, je crois que c'était 72. Comment ça se fait que si on part du principe qu'il y a de la compétition dans la nature et que si on veut transmettre ses gènes, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être le plus fort. Comment on peut expliquer qu'il y a de l'altruisme, qu'il y a de l'entraide? C'est bien possible et on a des théories qui rendent compte de en fait, que l'altruisme existe, parce que l'altruisme pur n'existe pas. L'altruisme rend. Les animaux, les organismes ont un intérêt à avoir des comportements altruistes, d'une certaine manière. Oui, exactement. En fait, c'est. On a des modèles très précis pour expliquer tout ça, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de modèles. En fait, si tu prends de façon grossière la théorie de l'évolution comme la loi du plus fort, c'est OK à la limite, mais il faut se rendre compte que. Être plus fort, très souvent, le meilleur moyen d'être le plus fort, c'est de s'entraider. Et donc, c'est en gros, c'est comme ça qu'on explique l'existence de la coopération et de l'altruisme dans le monde vivant, c'est que s'entraider et être coopératif, très souvent, ça va te permettre de survivre plus facilement, d'être plus adapté. Donc, il ne faut surtout pas voir la théorie de l'évolution comme la loi qui dit que c'est le plus fort physiquement qui gagne, c'est le plus adapté qui gagne, et s'entraider, c'est vraiment un moyen très efficace pour survivre. C'est avec ce genre d'incompréhension de la théorie de l'évolution qu'on en est arrivé au darwinisme social, quoi. Exactement. Il y avait des gens qui se battaient déjà à l'époque, déjà au fin du 19e, début 20e, tu as Kropotkin notamment qui se bat contre cette interprétation de la théorie de l'évolution qui dit les gars, ça va pas, il suffit de faire une balade en forêt, en gros, il nous dit, pour observer des espèces qui vont s'entraider les unes les autres. Les gens qui pensent que la théorie de l'évolution, c'est tout le temps du combat et que c'est le plus fort qui gagne, c'est vraiment des gens qui ont bien compris et qui ne sont pas des très bons naturalistes parce qu'ils n'observent pas. Quoi. Et en tout état de cause, c'est... Merde, c'était quoi son nom? C'était Spencer? C'est le cousin de... C'est Galton, le cousin. C'est M. Spencer. Donc c'est le spencerisme qu'on devrait appeler ça du spencerisme. Il n'était ni biologiste, ni naturaliste, rien de tout ça. Je ne sais plus trop. Et Darwin lui-même parlait d'entraide. Même s'il n'a pas beaucoup insisté, il en a parlé et il n'était pas d'accord avec l'application de cette discipline à la société humaine. Je ne connais pas de biologiste qui serait un défenseur de l'application de la théorie de l'évolution chez les humains. Il y a des politiques, mais chez les biologistes, il n'y en a pas. Tu disais, Ben ? Pas que je sache. Non, juste comme il y a des gens qui posent cette question et que je vois qu'elle est dans ton... On a parlé sur les animaux, le fait que ça existe, en fait. Qu'il y a... Mais est-ce que c'est la même morale ? Est-ce qu'il y a une continuité dans la morale humaine ? Ou est-ce qu'on change d'échelle ? Il y a des gens, c'est encore très débattu, il y a des gens comme Franz De Waal, donc, qui est un primatologue très célèbre et qui est notamment l'auteur d'une expérience avec des capucins très célèbre, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. J'adorerais le recevoir, Franz De Waal, un jour, j'adorerais. Mais bon. Peut-être qu'il accepterait parce qu'il fait pas mal de vulgarisation. Ah oui. Et donc si tu le recevais, il te dirait que lui,
Il penche plutôt pour l'existence d'une proto-morale chez nos cousins, chez les chimpanzés, chez les bonobos. Alors, il ne va pas dire que c'est la même morale exactement que chez l'humain, mais son terme à lui, c'est proto-morale, c'est-à-dire il observe le même genre de comportement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très discuté parce qu'en fait, quand tu essaies de savoir si les animaux ils ont un sens moral, tu es en train d'essayer de discuter de quelque chose qu'ils ont dans la tête. Or, nous, tout ce qu'on peut faire avec le comportement animal, c'est observer leur comportement. Et c'est vraiment très dur de déduire à partir de l'observation des comportements des choses sur ce qui se passe dans la tête des animaux. Et je peux peut-être te donner un exemple. Par exemple, France Deval, il dit « Une des meilleures preuves de l'existence d'un sens de la justice ou d'une proto-morale chez les animaux, c'est ce qu'on appelle les comportements de polissage chez les chimpanzés, par exemple. Et c'est un comportement dans lequel tu observes qu'un chimpanzé dominant il va intervenir pour séparer deux autres chimpanzés qui se battent. Et il va intervenir notamment en prenant la défense de celui qui est en train de se faire tabasser, quoi, en prenant la défense du plus faible. Et quand tu observes ça de notre position à nous d'humains, tu es en train de te dire, ben voilà, c'est une preuve de l'existence d'un sens moral chez ces chimpanzés, c'est-à-dire que tu as un dominant qui va prendre la défense du plus faible. Mais tu as d'autres chercheurs qui disent que c'est pas du tout l'explication la plus parcimonieuse. L'explication la plus parcimonieuse, c'est que le chimpanzé dominant, il va prendre la défense du plus faible parce qu'il n'a pas envie que le plus faible quitte son groupe ou que le plus faible meure. Parce que pour un chimpanzé dominant, c'est important que la taille du groupe soit conservée parce que ça apporte plein de bénéfices, par exemple, pour se défendre contre les prédateurs. Bah, et surtout parce que la majorité des mâles chimpanzés meurent dans des guerres. On parle de guerre entre chimpanzés. Donc, si le groupe il réduit un effectif, il est plus à la merci des groupes voisins. Chimpanzé, c'est pas une vie facile. Hein. Exactement. Chimpanzé, c'est pas une vie facile. Tu vois que au final, le chimpanzé dominant, il pourrait intervenir en faveur du plus faible, non pas parce qu'il a un sens moral, mais parce qu'il est en train de défendre ses intérêts personnels. Voilà, c'est un chef qui doit gérer ses ressources. Voilà, exactement. Et donc, c'est sur ce genre de situation que les chercheurs, ils se prennent la tête un peu et qu'on n'a toujours pas réussi après, à trancher. Après, c'est toujours les explications proximales ou distales. Le fait qu'il y ait une explication distale, c'est le fait qu'il a un intérêt personnel à protéger le plus faible, n'empêche pas qu'il peut éprouver un sentiment proximal d'empathie ou d'aide. Et c'est à travers ce sentiment-là qu'il réalise le comportement qui, à la fin, produit un bénéfice. Je crois que c'est tout est là. Le fait de naturaliser et d'expliquer la finalité des émotions, ce que tu fais notamment, et des jugements, n'implique pas qu'on nie la réalité du ressenti de la personne qui émet le jugement pour des raisons proximales, immédiates. Ouais. Et cette nuance-là, comme on l'a pas évoqué, je pense que c'est bien que tu le redises avec tes mots pour expliquer bien que c'est important cette nuance, je crois. Ouais, c'est aussi une distinction qui fait partie des choses les plus mal comprises, je pense, en théorie de l'évolution. Donc, c'est la distinction entre les motivations proximales et les motivations ultimes. Mmh. Et donc, j'aime bien faire des analogies avec les autres sens parce que je trouve que ça clarifie ça tout. Ça parle bien, Et là, on peut faire, par exemple, l'analogie avec le sens du goût. Quand tu manges un truc, quand tu manges un gâteau, tu le manges pas parce que tu sais que ça va t'apporter plein d'énergie qui va être utile pour ta survie. Tu le manges juste parce que t'aimes ça. Parce que dans ta tête, tu as quelque chose qui t'attire, qui te dit que manger un gâteau, c'est bon. Donc ça, c'est les explications proximales, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Mais l'explication ultime de pourquoi tu aimes bien manger des trucs gras et sucrés, c'est effectivement que c'est parce que ce sont les aliments qui contiennent le plus d'énergie, et donc ce sont les aliments qui vont le plus faciliter ta survie. Et bien, c'est exactement la même chose pour la morale, c'est pas parce qu'on dit que se comporter de façon morale ça peut apporter tel ou tel bénéfice au niveau ultime, au niveau évolutionnaire, que ça veut dire qu'au niveau psychologique, on est forcément en train de penser à tous ces bénéfices. Voilà. Donc, c'est pas parce que, par exemple, si je dis que la morale, ça sert à obtenir une bonne réputation au niveau évolutionnaire, ça veut pas dire que quand tu relèves quelqu'un qui est tombé devant toi dans la rue, tu es en train de penser à tous les bénéfices que ça aura pour ta réputation de relever cette personne. Il y a vraiment un découplage qui peut se faire entre les causes psychologiques ou proximales et les causes évolutionnaires ou ultime. Et voilà, ça fait partie des choses qui sont vraiment pas très bien comprises en général sur la théorie de l'évolution. Tout à fait. Ben voilà, donc comme ça, c'est redit. Il y a rien dans ce qu'on est en train de dire qui justifie les comportements. Parce que c'est aussi ça, un des écueils de cette discipline, c'est si on se rend compte, par exemple, qu'il y a de la violence sexiste chez les grands singes.
puisqu'il ne doit pas être faux. Hein. Ça, enfin, c'est variable, mais en gros, c'est distribué, ça arrive fréquemment. C'est pas une justification pour dire, bah, puisque nous, on est des grands singes, bah, c'est normal qu'on se comporte comme ça. Puis j'ai même envie de dire, excusez-moi, mais on n'a jamais, on a jamais mieux lutté contre un concept parce qu'on le comprenait moins. Oui. Mais il faut rappeler ça, que lorsqu'on explique que peut-être c'est pas de la morale comme la morale humaine chez les chimpanzés, parce qu'en fait, il y a un intérêt pour le dominant à garder le contrôle d'un groupe plus fort, ça n'est pas nier le fait que, comme on l'a dit, peut-être que lui, il a un sentiment sincère d'empathie. Mmh. Mais que c'est le véhicule de son intérêt égoïste, un peu comme pour le gène égoïste de Dawkins. Bon. Exactement. Pour finir la partie des définitions et de cette discipline, donc, tu m'en as parlé, hein, et ça fera transition. Quelle conception sur la morale a été abandonnée au cours des dernières années, des dernières décennies? On t'avait parlé du fait que la morale, enfin l'idée d'une morale réflexive, et donc qu'on partirait plus sur une morale intuitive. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on a fait ce changement? Oui, exactement. Alors, dans les années 60-70, on pensait que la morale, c'était surtout une affaire de réflexion. Alors, en psychologie, hein, après, il y a de la recherche dans tous les domaines, mais en psychologie, on pensait que la morale, c'était surtout une affaire de réflexion. C'est-à-dire que les jugements moraux, ils étaient produits après une certaine période de réflexion, par exemple en pesant le pour et le contre de différentes actions, etc. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les jugements moraux, ils possédaient certaines propriétés qui font que ce serait plutôt des intuitions, que ce serait pas, qui ne seraient pas produits après une longue réflexion, mais qui seraient produits de façon rapide, automatique et non consciente. Et en fait, c'est même exactement pour ça que je me permets d'utiliser le terme de sens moral par analogie avec les autres sens perceptifs. C'est parce que les autres sens perceptifs aussi, ils possèdent ces caractéristiques. Donc, par exemple, tu prends le sens de la vue. Le sens de la vue, c'est quelque chose de très rapide. Quand tu ouvres les yeux le matin, immédiatement, tu as une image qui se forme dans ton cerveau. Tu n'as pas besoin d'attendre 36 000 ans. C'est aussi quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'empêcher de voir quelque chose. Tu ne peux pas décider de ne pas voir quelque chose à partir du moment où tu as les yeux ouverts. Il y a des gens qui donnent l'impression, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui donnent l'impression de ne pas voir les choses qui sont... Mais ça, c'est psychologique, ce n'est pas dans la perception. Hein. Exactement, ouais, c'est plus le sens de la vue dans ce cas-là. Ouais. Et le sens de la vue, c'est aussi un truc qui est en grande partie non conscient, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout accès aux calculs que fait ton cerveau pour transformer les signaux électriques qu'il reçoit de l'œil en images. Quelque chose qui se fait de façon non consciente. Et en fait, on s'est rendu compte que les jugements moraux, ils avaient un peu les mêmes propriétés. Ils étaient aussi très souvent rapides, automatiques et non conscients. Donc par exemple, rapide, si tu vois une personne se faire agresser dans la rue, tu ne vas pas avoir besoin de réfléchir pendant des heures pour te rendre compte que c'est quelque chose de mal. Automatique, si tu vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de considérer qu'il y a un problème moral qui se passe. Mmh. Tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de considérer cette situation comme quelque chose d'immoral. Et non conscient aussi, on s'est aperçu que très souvent, on n'avait pas accès au calcul que fait notre cerveau pour... produire les jugements moraux, pour dire qu'une situation est morale ou immorale. Tu as un exemple dans ton bouquin pour montrer aux gens... Oui, un exemple rigolo. Ouais. Alors, j'ai pas la page, mais tu peux nous ressortir comme ça, ou si tu veux le lire. Mais, je l'ai, moi. Et moi, j'en connaissais un autre sur... mais bon, on va prendre le tien d'abord, et peut-être que je parlerai de l'autre, on a un peu de temps plus tard, mais pour montrer aux gens, c'est une expérience, c'est tiré du livre. D'ailleurs, achetez-le, parce qu'il est très très bien, il est très riche, il est très complet. Et là, vous allez avoir l'exemple d'une situation dans laquelle vous allez émettre un jugement moral, et pourtant, vous aurez du mal à le justifier. Si vous êtes normaux, on va dire. Et je te laisse la parole. Exactement. Explique-nous tout ça. Et donc, c'est encore une façon de travailler des psychologues évolutionnaires. On a déjà parlé de l'anthropologie, de la primatologie. Là, on arrive maintenant à la psychologie. Donc, je vous lis une petite histoire qui est en fait une expérience qui a été réalisée par un psychologue célèbre qui s'appelle Jonathan Haidt. Ah oui, c'est lui. Et voilà la petite histoire. Jennifer travaille à la fac de médecine comme assistante de recherche. Le laboratoire prépare des cadavres humains qui sont utilisés pour apprendre l'anatomie aux étudiants. Les cadavres viennent de personnes qui ont décidé de donner leur corps à la science à des fins de recherche. Un soir, Jennifer s'apprête à quitter le labo quand elle aperçoit un corps qui sera détruit le lendemain. Jennifer est végétarienne pour des raisons morales. Elle pense que ce n'est pas bien de tuer des animaux pour se nourrir. Mais là,
quand elle a vu un corps déjà mort sur le point d'être incinéré, elle s'est dit qu'il était irrationnel de gâcher de la viande parfaitement mangeable. Elle décide donc de couper un morceau de chair, le ramène à la maison et le cuit. La personne venait de mourir d'une crise cardiaque et elle s'est assurée de bien faire cuire la viande. Il n'y avait donc aucun risque de maladie. Voilà la petite expérience. Et ce qu'on demande au sujet, évidemment, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Est-ce que Jennifer a fait quelque chose de mal ? On pourrait faire un sondage. J'ignore si on peut faire un sondage en direct. Tiens, est-ce qu'on peut faire un sondage, je crois, ici, sur ce que pensent les gens. Alors, je pose la question. Est-ce moral ? Hop. Et je demande l'avis de la communauté. Est-ce que le cannibalisme, c'est moral ? Voilà. Et là, on va... Honnêtement, répondez par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous jugez immédiatement de cette situation. Ne cherchez pas à réfléchir trop. Mais on va avoir un biais d'échantillonnage, là. On est sur une chaîne d'esprit critique. Les gens vont... C'est pour ça que je dis aux gens, cherchez pas à réfléchir à... outre ça, on vous met une situation sous le nez et spontanément, vous éprouvez quelque chose. Voilà. Typiquement, ce que tu ferais en laboratoire pour essayer de contrer ce biais, c'est que tu forcerais les gens à répondre dans un temps imparti. Quoi. Tu leur donnes une demi-seconde ou une seconde pour répondre. Tu leur fais ça vraiment pour évoquer leurs intuitions. Et donc là, naturellement, si on n'est pas sur une chaîne de vulgarisation, est-ce que c'est moral ? Le non l'emporte à 90%, je suppose. Oui, une très forte majorité. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais le non l'emporte très largement. Mais alors ça, bon, à la limite, ce n'est pas très surprenant. Mais voilà. Ce qui est surprenant, c'est ensuite, on va demander au sujet pourquoi vous pensez que c'est immoral. Voilà. Et alors là, ça devient rigolo parce que les gens, ils vont dire, par exemple, c'est immoral parce que c'est du cannibalisme. Mais ensuite, le chercheur, il va dire, mais pourquoi le cannibalisme, c'est immoral ? C'est ce que je cherche à savoir. Et là, les gens, ils vont dire, parce que le cannibalisme, ça consiste à manger d'autres humains. Mais là, le chercheur, il va dire encore, mais pourquoi manger d'autres humains, ça serait mal ? C'est quoi qui fait que c'est mal de manger d'autres humains ? Là, les gens, ils vont dire, parce que ça peut apporter des maladies de manger d'autres humains. Et là, le chercheur, il va faire remarquer que dans le petit énoncé que je vous ai lu, la personne était morte d'une crise cardiaque, donc il n'y avait pas de risque infectieux. Et en plus, Jennifer, elle a bien fait cuire la viande. Donc on était absolument sûr qu'il n'y avait aucun risque de maladie. Et donc, le chercheur, il va essayer de pousser à bout ses sujets. Et au bout d'un moment, les sujets, ils craquent et ils disent « Bah, en fait, j'en sais rien. Je sais que c'est mal, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. » Et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que les psychologues, ils ont appelé l'ahurissement moral. C'est-à-dire qu'on est ahuri devant nos propres jugements moraux. On se trouve bête devant nos propres jugements moraux parce qu'on n'arrive pas à les justifier, on n'arrive pas à les expliquer. Alors, chez nous, les gens répondent non à 64%. Donc... si vous vous demandiez si vous étiez biaisé, cher spectateur, vous l'êtes. C'est la preuve sur les yeux. Vous êtes très biaisé. Ou vous êtes contrariant parce que vous savez que la réponse attendue est non. Ce dont je ne suis pas vraiment fan dans la formulation de la question, c'est que tu n'aurais pas dû demander est-ce moral, mais... Est-ce immoral ? Oui, j'ai fait ça au débeauté. J'ai trouvé la fonction sondage, donc je suis bien content. Donc voilà, la question... Mais bon, là, on ne fait pas une vraie expérience. C'est juste pour illustrer. Moi, j'avais un autre exemple qui est celui de... C'est un frère et une sœur qui décident d'avoir une relation sexuelle. Ils sont en vacances, loin tous les deux. Personne n'est au courant de rien. Ils utilisent un préservatif. Ils prennent du plaisir, c'est très bien. Tout se passe très bien. Ils décident de jamais recommencer et d'en parler à personne. Mais voilà, ils trouvent que c'est une situation qui leur a permis de se connaître mieux. Enfin, ils ont passé un moment sympa. Ils ne vont pas en parler à personne. Il n'y a pas de conséquences. Et on demande aux gens, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est immoral ? Et les gens répondent, bah non, c'est pas bien, parce que c'est de l'inceste. Et quand on explique que toutes les oppositions à l'inceste, à savoir, bah, ça fait des enfants qui peuvent être mal formés, mais là, en l'occurrence, ils ont pris des contraceptifs, en plus, ils se sont protégés contre d'éventuelles maladies, il n'y a pas de séquelles psychologiques, ils n'en parlent à personne, il n'y a pas de problème de réputation, donc toutes les objections tombent, et malgré tout, il reste ce... Quand même, c'est pas normal. Et je dis pas que c'est bien, hein, parce que j'ai le même sentiment que vous. Ça me gêne et ça me pose problème, mais je suis ahuri, comme tu dis. Je ne sais pas comment justifier pourquoi ça me pose problème. Deux petites remarques. Toutes mes excuses, Stéphane, mais je trouve cet exemple meilleur que l'autre parce que là, il y a un consentement qui est explicite de la part de toutes les parties en présence. La personne qui a fait don de son corps à la science, elle n'avait pas accepté a priori de se faire becter après. Là, tout le monde a donné un accord. Ensuite, je tiens à préciser que Mandax ici présent est fils unique.
Donc pas de rumeur déplacée. Bref, oui, je ne cherche pas à justifier une pratique ouais. personnelle. Après, tu vois, Vled, ce que tu dis, c'est encore une fois, ça pourrait être considéré comme une justification que tu pourrais questionner, parce que tu pourrais dire pourquoi est-ce que c'est important que la personne morte, la personne morte, elle est morte, donc on ne lui fait pas subir de coups, elle est déjà morte. Pourquoi ce serait important dans ce cas-là qu'on ne puisse plus toucher à son corps ? Moi, je suis totalement d'accord et je fais partie de ceux qui ont répondu oui, je ne pense pas que c'est. Ou plutôt, j'ai répondu. Est-ce moral à ta question maladroite ? Oui. Je ne pense pas que c'est immoral, en l'occurrence. Mais bon, parce que même si elle a donné son consentement pour qu'on utilise son corps à des fins de recherche, la manger, ça n'est pas une fin de recherche. Donc il y a un petit décalage. Peut-être que on peut se nicher là-dedans pour justifier, peut-être. Non, parce que le respect du corps des défunts, ça aussi, c'est un truc qu'on peut questionner, en l'occurrence. Oui. Bref. Vous voyez que c'est compliqué. Exactement. C'est compliqué. La question que tu as posée, c'est est-ce moral ? Et les gens t'ont répondu non. Oui. D'accord. Non à 64%. Okay. 65 maintenant. Voilà. Et il y a 150 votants, je crois, comment je fais pour savoir ? Je ne sais pas. Donc ça va dans le sens des expériences. C'est juste que ils sont à 65%. Mais c'est moins fort que dans la population générale. Ouais, okay. Parce qu'ils savent un petit peu. On se méfie un peu. Bien. Donc. Ils ont eu une demi-heure d'introduction à la morale, c'est bon. Et donc, on va pouvoir passer à la partie 2. Juste pour conclure là-dessus, je voulais juste dire que pourquoi on parle de tout ça, en fait, parce que ça montre que les gens, ils ne sont pas capables de... Dans plein de situations, alors parfois, on est capable de justifier nos jugements moraux, mais il y a plein de situations dans lesquelles on n'est pas capable de les justifier. Et donc, ça remet en cause les théories de la morale qui étaient basées sur la réflexion. Tu me demandais tout à l'heure si on avait évolué dans les théories. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est passé d'une vision des jugements moraux qui sont plutôt réflexifs à une vision des jugements moraux qui sont plutôt intuitifs et qui seraient produits par l'équivalent d'un sens moral, exactement comme on produit des images, comme notre sens de la vue produit des images de façon non consciente. Alors, on n'a pas accès à la machinerie morale et on n'a accès qu'au résultat, au jugement. Voilà, exactement. Et donc, la partie 2, ça va être, on va aller dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment on travaille pour comprendre ce qui est passé, comment cette chose-là a évolué. Donc, juste avant... Je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai reçu, que j'ai entamé, je n'ai pas tout lu. C'est par Florian Cafiero et Jean-Baptiste Caen. Et en fait, ce sont des gens qui s'intéressent au style. Et donc leur livre, c'est Stylométrie. C'est comment est-ce qu'on peut être sûr que Corneille n'a pas écrit les livres les pièces de Molière ? Comment on est sûr que Platon est bien l'auteur de ce livre ? Est-ce que Homère est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée ? Qui est derrière les tweets ou les messages de QAnon, l'affaire Grégory, il y a plein de choses comme ça. Et les auteurs ont travaillé sur QAnon, pour trouver qui est la personne qui est derrière cette source mystérieuse qui s'est censée être dans le gouvernement américain. Et donc je la remercie, il m'a envoyé le bouquin, j'ai commencé à le lire. Et je vais essayer de les inviter sur la chaîne bientôt, voilà, pour parler de ça. Parce que c'est intéressant de comment on fait pour... scientifiquement, méthodiquement, évaluer si un texte est de la plume de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Parce que ça a l'air très subjectif. Et bien, pas tant que ça. Et j'avais autre chose à vous. Voilà. Et merci donc à l'équipe de modération de ce soir. Nous avons, je crois qu'il y a Moxiva. Elodie n'est pas là, mais on l'embrasse. Elle fait une pause. On a qui d'autre ? On a, je crois, Francine. Et on a qui de Luca, il est là. Bon, merci à la modération. Ils sont peut-être dans le tableau de fin. Hein. Et l'émission de ce soir est réalisée par Lise et par Corentin. Des petits cœurs dans le chat pour les remercier de leur travail. Et je crois que tout va bien. L'image et le son sont nickel. Merci beaucoup. Tout va bien. Alors, on peut continuer, puisque tout va bien. Le gap se creuse dans S-Moral. Tu vas voir qu'à la fin du live, on aura du 50-50. Vous êtes des tricheurs. Voilà. C'est là qu'on voit que les zététiciens sont des gens arrogants qui veulent se démarquer du commun des mortels, comme n'importe qui du commun des mortels, du reste. Alors, pour répondre à la question comment ça a évolué, il faut déterminer la fonction de la morale. C'est ça que tu fais, en fait. Plus ou moins. Alors, ça nous aide. C'est plutôt que réfléchir en termes de fonction, ça va nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Donc la morale, ça fait quoi ? C'est quoi ça nous sert à quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Si je récapitule où on en est du raisonnement, donc en fait le point de départ, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que la morale c'est un truc culturel, éducationnel, religieux, etc. On a vu qu'il y avait un certain nombre de données qui semblaient dire que ce sont pas des explications suffisantes. C'est pas des explications fausses, mais elles sont pas non plus suffisantes. Mmh. Il y a plein de données, on n'a même pas parlé de tout,
qui montre qu'il semble qu'il y ait des bases biologiques à la morale. Mais une fois que tu acceptes ça, qu'il puisse y avoir des bases biologiques à la morale, le problème, c'est que tu dois expliquer comment est-ce que ces bases biologiques ont pu évoluer, comment un sens moral a pu évoluer par sélection naturelle. Et ça, pour un biologiste de l'évolution, c'est une question qui n'est pas facile, parce que si tu prends la théorie de l'évolution comme ça, de façon grossière, elle te dit que les seuls comportements, les seuls traits qui devraient évoluer, ce sont les traits qui ne sont pas coûteux. Si tu as un trait qui est coûteux, qui fait diminuer tes chances de survie ou de reproduction, alors il finira par se faire éliminer par sélection naturelle. Ouais. Concernant la religion, je fais une petite parenthèse, j'ai personnellement l'impression que la religion sert plus souvent d'excuse à des jugements moraux discutables que l'inverse. Alors, il y a une interconnexion, bien entendu. Disons que la religion. Mais généralement, comme par hasard, le livre dit des choses et les personnes lui font dire ce qu'il ne dit pas. Parce que c'est plus raccord avec leur idée de la morale. En fait, c'est plutôt que. J'aurai un livre sur Dieu bientôt, donc je me suis intéressé à la question. Et ça rejoint exactement la vision intuitive de la morale, qui est qu'on a des intuitions morales qui sont discutables. Hein, et la religion vient nous aider à rationaliser. C'est-à-dire qu'on a un jugement, et comment est-ce qu'on l'explique ? On l'explique parce qu'on a un code, et on est bien rassuré d'avoir. Or, nos jugements moraux, spontanément, puisqu'ils sont là parce qu'il y a un intérêt, du point de vue de la lignée, on a des jugements moraux qui vont être extrêmement, extrêmement forts par rapport à tout ce qui va être paternité, et qui vont inciter des gens à avoir un jugement très 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 fort sur tout ce qui va être infidélité féminine en particulier. Et donc on a de la violence sexiste dans l'espèce humaine, pas que chez nous, on a de ça chez beaucoup de primates, pas tous. C'est pareil, encore une fois. Et donc, chez les humains, on a rajouté de la religion pour justifier ces jugements-là. Et la science cherche justement à ne pas justifier. C'est là toute la différence, c'est que Stéphane n'est pas là pour nous expliquer ce qui est bien et ce qui est mal, mais pour nous dire comment ça se fait que ça nous paraît bien et ça nous paraît mal. Je ne trahis pas ta pensée ? Non, c'est ça, et c'est même toute la difficulté de mon travail de chercheur, c'est que des fois je suis confronté à des jugements moraux de gens avec qui je suis en désaccord, et pourtant je suis obligé de les prendre au sérieux, parce que c'est mon rôle d'essayer de comprendre comment certaines personnes peuvent avoir des jugements moraux avec lesquels je suis en désaccord. Et c'est une des difficultés du travail quand tu étudies la morale, c'est d'essayer de ne pas juger les gens et de vraiment les prendre au sérieux. Donc ça, c'est bien compliqué, t'énerve pas comme ça, le chat t'énerve. Alors, ce que tu m'as expliqué dans ton livre et lorsqu'on en préparait, c'est que l'une des fonctions de la morale, ce serait, alors il y a plusieurs hypothèses, encore une fois, on ne va pas tout réduire, tu l'as bien dit, hein, il y a d'autres hypothèses qui peuvent jouer, il y a d'autres dimensions, mais hypothèses. Au minimum, celles-là paraissent parcimonieuses, c'est se faire choisir comme partenaire de coopération. En tant qu'être humain, ça a beaucoup de sens, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est une hypothèse de base ? C'est une hypothèse de base parce que la coopération, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'espèce humaine. Alors c'est vrai aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, c'est une des raisons qui explique qu'on ait réussi à coloniser toute la planète dans des environnements très variés et parfois très hostiles, c'est parce qu'on est une espèce très coopérative. Et c'est vrai aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour les chasseurs-cueilleurs. Si tu regardes la vie de tous les jours des chasseurs-cueilleurs, ils sont en permanence en train de coopérer. Ils coopèrent pour chasser, pour élever les enfants, pour construire des maisons, enfin pour à peu près tout. Et donc si tu es exclu de ces réseaux de coopération, tu subis un coup tout de suite. Tu as tes chances de survie ou de reproduction qui sont diminuées. Donc il faut vraiment essayer de ne pas te faire exclure de ces réseaux de coopération. Et donc l'hypothèse, c'est que la morale, ça permet précisément ça. Quand tu te comportes de façon morale, tu te comportes de façon suffisamment gentille, entre guillemets, oui. Même si gentil, c'est un mot très vague, pour ne pas te faire exclure et pour que les gens veulent bien encore ensuite coopérer avec toi dans le futur. Donc il y a un rôle de signal de je me comporte bien, donc je suis quelqu'un à qui on peut se fier, donc tout va bien, donc continuons à échanger, à s'entraîner. Exactement. Et c'est plus qu'un signal, hein, c'est vraiment, c'est pas juste un truc que tu affiches, c'est quelque chose que tu fais. Oui. C'est quelque chose, ouais. Du coup, c'est un signal honnête. Comment on dit ? C'est un signal honnête, sauf que le terme a une signification un peu particulière en biologie. Donc, pense vraiment juste au niveau des comportements. Par ton comportement, tu vas montrer que tu es quelqu'un qui ne va pas exploiter les autres, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est l'hypothèse la plus élémentaire quand on a un œil de évolutionnaire.
Est-ce que c'est pas Just So Stories? Tu connais le. On va en parler dans la partie 3, mais bon, on va pas développer la réponse à ça. On va y revenir en partie 3 sur les principales critiques qu'on adresse à ta discipline. Comment est-ce qu'on peut répondre malgré tout sur cette question-là? Est-ce que c'est pas juste une belle histoire? Oui, bah, ok, ça, c'est cohérent, c'est un scénario, mais je peux imaginer plein de scénarios cohérents sur pourquoi est-ce qu'on est moraux. Pourquoi celui-ci, il serait plus valide? Alors, on essaie donc il y a différents scénarios. Là, on en a parlé que d'un seul. Ce qu'on essaie de faire, c'est déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'essaie pas d'avoir une vérité à 100%. On essaie d'évaluer quel est le scénario le plus probable. Donc, évidemment, mais ça, c'est vrai dans n'importe quelle science. Hein. En général, on est rarement sûr de quelque chose à 100%. On essaie juste d'établir des degrés de probabilité en certaines hypothèses. Il faut aussi rappeler que la morale, c'est encore un sujet de recherche qui est très récent, hein, c'est vraiment quelque chose, on n'est pas comme en physique où on travaille sur certaines théories depuis 100 ou 150 ans. On ne va pas pouvoir avoir le même niveau de preuve que celui qu'on peut obtenir pour certaines théories en physique. Mm-hmm. Après, sur la question de comment on va essayer de prouver ce type d'hypothèse, il y a différentes façons de travailler, il y a au moins, bon, il y en a plein, mais je pense qu'on peut en identifier trois principales. La première chose, c'est que tu vas commencer par aller voir si les conditions d'évolution de la morale que tu postules sont présentes chez les chasseurs-cueilleurs. Par exemple, quand tu dis que ton mécanisme, c'est les individus qui sont les plus immoraux, ils se font exclure de la coopération, ça, c'est quelque chose que tu peux aller tester empiriquement si ça se passe effectivement dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est un premier point. Tu ne peux pas faire une hypothèse en l'air comme ça sans aller vérifier si elle s'applique effectivement. Ensuite, un deuxième truc qu'on peut faire, c'est faire des modèles pour essayer de tester si le mécanisme que je viens de postuler de façon verbale fonctionne réellement. Comment on teste? Voilà. Parce que là, pour l'instant, ce que je t'ai dit, tu as raison, c'est juste une hypothèse verbale, c'est juste des mots. La morale évolue parce que ça permet de se faire choisir comme partenaire de coopération. Mais on peut essayer de tester ça plus précisément en créant des modèles mathématiques ou informatiques qui vont, grosso modo, recréer l'évolution dans des ordinateurs pour essayer de regarder si effectivement c'est possible que quand les individus sont en compétition pour se faire choisir comme partenaire de coopération, ça conduise au final à l'évolution de la morale. Et puis, il y a une troisième grande façon de tester ces hypothèses, c'est d'aller tester les prédictions qu'elles font sur la morale elle-même. Parce que par ça, exemple... Attends, je t'arrête. Je pense que le concept de prédiction, c'est un truc que les gens comprennent parfois mal. Ils disent, comme l'évolution, ça décrit un élément qui est passé ou en train de se faire, et qu'on ne peut pas prédire l'évolution, ça c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se produire, dans les grandes lignes, alors il n'y a pas de prédiction possible. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Donc, dans la recherche sur la psycho-évo et là-dessus, on peut faire des prédictions. C'est-à-dire que, donc, voilà. Explique-nous en quoi une prédiction, ce n'est pas une prévision sur le futur. Cette nuance-là, tu peux nous le dire. En fait, c'est une prédiction sur le présent. Alors, j'allais en parler tout à l'heure, mais peut-être que je vais anticiper un petit peu ce dont j'allais parler. En fait, c'est vrai que c'est une idée reçue assez fréquente de penser que la psychoévo, elle fait des prédictions sur le passé, sur les comportements évolués dans le passé. Par exemple, quand on dit, le dégoût, le sens du dégoût a évolué, je reprendrai cet exemple tout à l'heure, pour nous faire éviter les pathogènes, on a l'impression que c'est quelque chose, une affirmation sur le passé. Et en fait, ce que veulent faire les psychologues évolutionnaires, c'est, à partir de cette hypothèse, faire des tests sur la psychologie du présent. Alors, l'idée, c'est qu'on s'attend qu'aujourd'hui, cette chose ait certaines propriétés qu'on va pouvoir aller tester. Voilà. C'est ça l'idée générale, c'est que quand tu postules que quelque chose a évolué dans le passé pour une raison, ça va faire des prédictions sur le présent. Et en fait, c'est exactement la même chose que ce que font les cosmologues, par exemple. Quand les cosmologues, ils te disent que l'univers a commencé dans un Big Bang, c'est quelque chose qui s'est déroulé autrefois dans le passé, et tu ne peux pas prendre ta machine à remonter le temps pour aller étudier si ça s'est effectivement passé, mais par contre, cette hypothèse, elle fait des prédictions sur le présent que tu peux tester, comme par exemple l'existence d'un fond diffus cosmologique, etc. Et ben, en psychoévo, c'est la même chose. Quand tu postules que certaines choses se sont passées autrefois, ça fait automatiquement des prédictions sur ce qu'on devrait trouver aujourd'hui dans la nature. Et donc la prédiction, c'est on prédit le résultat qu'on aura si on fait telle expérience, si on pose telle question, si on teste telle chose. C'est pas prédire ce qu'on va voir dans la nature dans 100 ans ou dans 1000 ans,
c'est prédire si demain je fais telle expérience, je devrais avoir tel résultat, et si je ne l'ai pas, alors mon hypothèse ne marche pas. Ouais, c'est ça. Pour revenir au sujet de la morale et donner un exemple plus précis, il y a une autre hypothèse sur l'évolution de la morale qui dit que la morale aurait évolué parce qu'elle favorisait la survie des groupes. C'est-à-dire que les groupes qui comportaient le plus d'individus moraux dans le passé, ils ont remporté leur compétition face aux autres groupes parce que plus tu as d'individus qui sont prêts à se sacrifier, par exemple, dans un groupe, plus ça va permettre que ce groupe remporte d'affrontements. Donc ça, c'est une hypothèse, entre guillemets, sur le passé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des prédictions sur la psychologie des humains d'aujourd'hui, parce qu'elle prédit que la morale devrait être une morale du sacrifice. Si tu postules que la morale a évolué par sélection de groupe, alors tu postules que les humains aujourd'hui, ils devraient être prêts à se sacrifier s'ils voient que ça va permettre la survie de leur groupe. Et ça, c'est quelque chose que tu peux tout à fait tester en faisant des expériences de psychologie classique. Tu fais des petites histoires, comme je vous ai raconté tout à l'heure, et puis tu demandes aux gens leur avis, et tu vois comme ça si la psychologie morale est vraiment une affaire de sacrifice. Ok, donc ça peut jouer. Et encore une fois, on peut avoir plusieurs hypothèses qui sont vraies en même temps, à différents degrés. C'est rarement le cas qu'il y ait un facteur qui explique 100% du caractère que l'on cherche. Et il y a une troisième hypothèse qu'on a évoquée, c'est celle que finalement, c'est ce qu'on appelle le by-product en anglais, le produit dérivé, que la morale, elle arrive là, mais qu'elle n'était pas prévue, quoi. Ouais, c'est ça. Alors c'est défendu par exemple par Franz De Waal. C'est l'idée que la morale, ce serait juste la réunion de quelques capacités cognitives qui étaient déjà là chez les primates. Donc par exemple, tu prends de l'empathie, tu prends de la colère, tu prends du dégoût, et tu rajoutes quelques capacités qui sont spécifiquement humaines, comme le raisonnement ou la culture, ce genre de trucs. Et puis paf, ça fait de la morale en gros. Donc tu fais la morale, ce serait le développement de capacités cognitives qui étaient déjà présentes dans d'autres espèces, et tu rajoutes un peu de raisonnement et de culture, et ça donne ce qu'on appelle morale. La morale, en gros, c'est les jeux capiques. Voilà, c'est paf. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu ça en vrai. Personnellement, je suis peut-être un petit peu trop adaptationniste, mais ça me paraît. Comment on teste ça? Est-ce que ça fait des prédictions, ce type d'hypothèse? L'hypothèse du sous-produit, elle ne fait pas de prédictions. C'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, exactement. Cette hypothèse, c'est pour ça, encore une fois, on anticipe le débat de tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'est intéressant de dire que les choses ont une certaine fonction. C'est parce que quand tu dis que les choses ont une fonction, ça fait des prédictions. Ça dit que cette capacité cognitive, elle devrait avoir telle propriété, telle caractéristique, etc. C'est des hypothèses qui sont clairement réfutables, alors que les autres le sont moins clairement. Voilà, exactement. Les autres hypothèses qui sont basées sur l'hypothèse du sous-produit ou du hasard, tu pourrais même dire que la morale, elle est apparue par hasard, elles ne font pas de prédictions, parce que précisément, presque par nature, le hasard, ça ne façonne pas les êtres vivants dans une certaine direction. Alors, on a évoqué le fait que la morale pourrait jouer un rôle dans la compétition entre les groupes. Ouais. On n'a pas dit que, attention, ça n'est pas de la sélection de groupe. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce n'est pas vraiment de la sélection de groupe? Parce que c'est pour ceux qui sont pas, qui découvrent en biologie de l'évolution, il y a des hypothèses comme quoi que la sélection pourrait s'appliquer à l'échelle d'un groupe, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui améliorent la survie du groupe, et c'est à cette échelle-là que c'est sélectionné et que c'est transmis. Mais ce n'est pas économe, parce que ça veut dire qu'il faudrait réifier l'entité groupe dans le phénomène de transmission du caractère. Et c'est moins économe que de dire non, c'est au niveau de l'individu que ça se joue. Et donc la sélection de groupe est plutôt... plutôt plus coûteuse, et donc on essaie d'éviter de la convoquer lorsqu'on veut expliquer quelque chose. Et ce que tu me disais, ça pourrait y ressembler. Alors, est-ce que ça en est ou pas? Ouais, donc pour ceux qui nous écoutent et qui font un peu de biologie de l'évolution, ils ont sûrement dû entendre parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui est vraiment controversé, et depuis les années 60-70. Et en fait, là, la sélection de groupe dont il s'agit, c'est une sélection de groupe un peu particulière qu'on appelle culturelle, sélection de groupe culturelle, parce que les comportements moraux se propagent par imitation principalement, ils se propagent par la culture et ils ne se propagent pas par les gènes. Et quand tu fais cette hypothèse, d'un point de vue modélisation, ça change deux, trois petites choses qui font que la sélection de groupe, elle devient un peu plus probable. Donc, c'est un peu plus probable que la sélection de groupe des années 60-70, mais... ça reste encore, enfin nous en tout cas on trouve ça pas très convaincant, et c'est surtout que on a d'autres théories qui nous permettent, enfin qu'on pense qui nous permettent déjà d'expliquer pas mal de caractéristiques de la morale, donc on pense pas qu'on a besoin de faire appel
comme tu le disais, à de la sélection au niveau du groupe. Alors du coup, c'est pour essayer d'être à jour, c'est quoi aujourd'hui l'hypothèse, la théorie la plus solide sur pourquoi est-ce qu'on est moraux? Je pense pas que je puisse te dire. Je pense que si tu vas aux États-Unis, par exemple, il y a plein de gens qui pensent que c'est la sélection de groupes culturels qui prévaut. Je pense que c'est une des théories très en vogue en ce moment. Et bon, évidemment, les États-Unis sont assez puissants en termes de recherche, donc ils influencent pas mal de monde. Mais c'est pas du tout, on est, comme je te disais tout à l'heure, c'est de la recherche qui existe depuis 10-20 ans, donc on n'est pas du tout en position de pouvoir dégager un consensus ou quoi que ce soit. C'est vraiment encore très discuté. Le Covid nous a appris qu'il fallait être patient et accepter que la réponse est « on cherche ». Exactement. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est que je ne suis pas là non plus pour apporter des réponses toutes faites. C'est vraiment de la recherche en cours et c'est ça qui est intéressant. Donc, tu pourras refaire ton bouquin dans 5 ans ou dans 10 ans avec les mises à jour, par exemple. Exactement. Alors l'autre grande question, non, c'est bon. Ah non, il y a actuellement des débats animés sur le véganisme que je suis sur le chat avec attention parce que tu as pris un exemple. Je sens le besoin de modération qui peut arriver. Tu as pris un exemple avec une femme végane et c'est un des mots qui, je ne sais pas, il faudrait s'intéresser. Il y a des mots quand ils sont prononcés, paf, ça colonise tout le chat. C'est bizarre. Bon, donc évidemment. C'est pour faire diversion. Ouais, je sais pas. C'est... Les modérateurs ne vous en sont pas reconnaissants. Là, l'autre grande question, c'est est-ce que la morale est unitaire ou est-ce que... Alors, je vais utiliser le mot module, mais tu me corrigeras parce que tu développes bien dans le livre que le mot module a une histoire et c'est compliqué. Mais voilà, est-ce qu'on a des parties de cerveau dédiées à gérer l'injustice, à gérer le dégoût, à gérer que sais-je, ou est-ce qu'on a une fonction générale qui prend en charge tous les jugements d'où qu'ils viennent, et surtout, comment on teste? Alors, le point de départ, c'est encore une fois les années 60-70, où on pensait que la morale, c'était surtout une affaire de coût. Donc, se comporter de façon morale, c'était par exemple ne pas faire payer de coût aux autres personnes. Ne pas les blesser, par exemple, ne pas leur faire de mal. Et puis ensuite, on a commencé à lire les récits d'anthropologues, on a commencé à faire des expériences dans différentes cultures. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour expliquer toute la morale, parce qu'il y a plein de situations où on émet des jugements moraux sans qu'il y ait l'air d'y avoir de coûts associés. Et par exemple, il y a des domaines comme le respect de la hiérarchie, qui est un domaine moralisé, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de coûts qui soient réalisés quand on respecte la hiérarchie. Il y a des domaines comme je sais pas, la loyauté au groupe aussi, où les coûts ne sont pas immédiatement visibles. Et donc, il y a un certain nombre de psychologues qui se sont dit, et notamment Jonathan Haidt, dont on a déjà parlé, ils se sont dit, on ne peut plus faire reposer la morale sur une seule logique, qui est la logique des coûts. On va être obligé de diviser la morale en différents domaines. Lui, il appelle ça des domaines. Donc, il dit, il y a le domaine de la loyauté au groupe, le domaine du respect de la hiérarchie, le domaine de la réciprocité, etc. Mais c'est quelque chose qui est encore très discuté. Ça fait partie des gros débats actuels de la recherche sur ces questions-là. Et savoir, est-ce qu'il existe réellement des domaines différents de la morale, ou est-ce qu'on peut, en creusant bien, réunir tous ces domaines, trouver une même logique qui s'applique à tous ces domaines? Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat qui pourrait plaider plus pour l'un ou pour l'autre? Parce que, bon, Jonathan Haidt, c'est une pointure, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison parce qu'il est une autorité. Non, tout à fait. Et notamment, tu évoques le côté algorithmique. Bon, du coup, la morale, autrefois, elle était réflexive, maintenant, on sait que c'est plutôt intuitif, c'est plutôt des calculs. Et soit c'est des calculs séparés, segmentés, avec des silos parallèles, soit, à un moment donné, il y a une même logique à l'œuvre partout. Et s'il y a une même logique, ça pourrait être plus économe, pas forcément, mais ça pourrait l'être. Comment est-ce qu'on peut tester? C'est quoi les données qu'on doit récolter, qu'on a cherché pour dire c'est plutôt l'hypothèse A ou l'hypothèse B? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tu dois proposer une logique et ensuite tu dois montrer que cette logique est parcimonieuse, c'est-à-dire qu'avec une même logique, en fait, si tu arrives à montrer qu'avec une même logique, tu arrives à expliquer différents domaines de la morale, alors par simple application du rasoir d'Occam et du principe de parcimonie, tu vas conclure que c'est cette logique qui régit la morale. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment trouvé. Ouais. Alors, je ne dis pas encore... En ce moment même, on est en train de publier un article avec mes
mes co-auteurs de travail, Nicolas Baumard, Jean-Baptiste André et Léo Fitouchi, où on propose une logique spécifique de la morale et on essaie de montrer qu'elle s'applique à différents domaines. Alors, c'est un peu trop récent encore pour que je puisse vous en parler, mais sinon, l'idée, c'est ça. Tu essaies de proposer une logique et tu montres qu'avec cette seule logique, tu arrives à expliquer des jugements moraux dans différents domaines. Nicolas Baumard, qui est l'auteur d'une postface comme j'en ai jamais lu de ma vie, postface très amusante, qui, alors j'ai oublié les détails, enfin il se place dans Milan, je crois, et il fait une sorte de recension de ton livre qui aurait marqué l'histoire de la pensée sur cette question-là et pourquoi c'est important. Et donc c'est à la fois très drôle, pas prétentieux, parce qu'en fait c'est au second degré, et donc Nicolas Baumard, c'est un de ceux qui bossent sur ce sujet-là, et il encadre des thèses sur la question d'ailleurs, il me semble. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Ils sont à Paris avec Jean-Baptiste André aussi. Ils ont une équipe de recherche. Voilà. Il y en a plusieurs aussi. Tu en as reçu d'autres, je pense. Hein. Il y a Hugo Mercier, je pense que tu as dû recevoir. Enfin, il y a une petite équipe, un petit noyau assez important de gens qui bossent sur tous ces sujets à Paris. Et ils forment encore des étudiants, si jamais il y a des étudiants qui sont intéressés. Alors, donc, on en reparlera après de la variabilité ou on a déjà passé le truc parce que ça serait maintenant. Justement, c'est que puisqu'il y a de la variabilité, ça a l'air de plaider contre une logique commune, puisque comment on peut expliquer qu'on ait des jugements, alors c'est très culturel bien sûr, mais des jugements quand même très très, très différents à différentes époques à un même endroit, ou très différents à la même époque à différents endroits, cette variabilité, elle semble plaider pour le fait que c'est pas codé par la biologie, puisqu'on on est tous très apparentés. Et on a des morales très différentes. Comment on explique ça ? Alors, c'est un point très important et c'est pour ça que je voulais intervenir là-dessus. C'est que souvent, moi, quand je raconte que la morale a des bases biologiques, on m'oppose tout de suite que ce n'est pas possible parce qu'on observe une variété de comportements moraux tout autour du monde. On n'observe pas deux personnes qui pensent la même chose. Et donc, c'est très important de pouvoir expliquer cette variabilité dans une perspective évolutionnaire. Il se trouve qu'en fait, on a des moyens de l'expliquer. Alors, il y a plein de moyens de l'expliquer. Il y en a deux que je pense qui sont assez importantes et sur lesquelles je préfère insister. Le premier moyen d'expliquer la variabilité morale, c'est de dire que même si on a évolué un sens moral par sélection naturelle, ce n'est pas la seule chose qu'on a dans la tête. Dans la tête, on a différents programmes cognitifs, enfin vous appelez ça comme vous voulez, différents sens, différents algorithmes. Et ces algorithmes, ils n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs. Et c'est pour ça que très souvent, dans la vie de tous les jours, on se retrouve dans des situations de conflit cognitif. Par exemple, tu vas vouloir manger un morceau de gâteau parce que tu as très faim, mais en même temps, tu ne vas pas vouloir le manger parce que tu n'as pas envie de grossir et que tu as envie de rester en bonne santé ou de garder la ligne, etc. Voilà, et il y a tout le problème de l'acrasie dont j'ai parlé en conférence, c'est qu'on a un jugement, on sait qu'il faut faire ça, et puis on fait autre chose, parce qu'il y a d'autres contraintes autour, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, exactement. On a différents trucs dans le cerveau. En fait, ce n'est pas parce que tu dis qu'on a évolué un sens moral par sélection naturelle que tu postules que ce sens moral, c'est la seule chose que tu as dans la tête. Et donc, il se trouve que parfois, dans certaines situations, le sens moral va perdre la bataille face à d'autres programmes cognitifs. Par exemple, si tu dis, tu peux très bien être d'accord pour dire que c'est mal de prendre l'avion, mais tu peux avoir très, très, très envie de partir en vacances à l'autre bout du monde. Et puis, tu vas craquer. Et donc, ça fait que les gens, on va observer un comportement entre guillemets immoral, mais ce n'est pas pour ça que ça veut dire que tu ne restes pas quand même quelqu'un de moral avec un sens moral dans la tête. Et on salue Bernard Arnault qui est en jet privé un peu partout et apparemment il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire comme pour Elon Musk, suivre tous ses déplacements. Alors je ne veux pas donner honte à tous ceux qui prennent l'avion, mais il y en a quelques-uns qui pourraient peut-être faire des efforts. Donc M. Arnault... Le message est passé. Voilà, c'est pour lui. Pardon. Donc ça, c'est un premier point important. Et la métaphore qu'on utilise, c'est la métaphore du parlement des instincts. Oui, j'ai vu ça. Je crois que c'est encore une métaphore qu'on doit à Jonathan Haidt, si je ne m'abuse. Et l'idée, c'est de dire que dans un parlement, tu as des députés, ils vont avoir chacun leur avis sur ce qu'il faut faire, sur une loi qu'il faut voter. Mais à la fin, ils vont devoir tous se mettre d'accord parce qu'ils peuvent choisir qu'une seule loi. Et l'idée que c'est dans notre cerveau, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a différents programmes cognitifs qui ont chacun des idées sur le bon comportement à adopter, mais au final, il va quand même falloir se mettre d'accord sur un seul comportement, et ce n'est pas dit que ce comportement, ça sera forcément le comportement le plus moral.
Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut observer des comportements immoraux de par le monde. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est encore plus important peut-être pour expliquer la variabilité de la morale, c'est de dire que le sens moral tel qu'on l'envisage nous, ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas une collection de principes, ce n'est pas une collection de droits, mais c'est un algorithme. Et ce que je veux dire par algorithme, c'est que c'est un programme qui fait des calculs, et pour faire ces calculs, il a besoin d'entrées informationnelles. Pour produire des jugements moraux, le sens moral, il aurait besoin de fonctionner sur des entrées. Et donc, si des personnes ont des croyances sur le monde ou des informations sur le monde qui sont différentes, ils vont peut-être arriver à la production de jugements moraux différents, alors même qu'ils possèdent tous le même algorithme moral. Donc c'est une deuxième façon de concilier variabilité morale et universalité d'un sens moral dans la tête de tous les humains. Et un des exemples que je donne dans mon bouquin, je crois que tu l'avais repéré, c'est l'exemple des aides sociales. Oui, entre le jugement des Américains ou des Scandinaves. Ouais, exactement. Il y a des expériences assez rigolotes, entre guillemets, qui montrent que tu peux complètement inverser le jugement moral sur les aides sociales des Américains ou des Européens, rien qu'en changeant une phrase d'information. Parce qu'en général, aux États-Unis, ils sont assez peu favorables aux aides sociales et ils ont assez tendance à considérer que si tu es pauvre, c'est parce que tu es paresseux. Tandis qu'en Europe, on a plutôt tendance à considérer que si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas eu de chance dans la vie. Et il y a des expériences qui ont montré que si tu dis aux Américains « Est-ce que vous êtes en faveur de la redistribution d'aides sociales ?» en leur disant que les prestataires de ces aides, ce sont des personnes qui voulaient travailler, mais qui n'ont pas pu travailler, par exemple, parce qu'elles se sont blessées, alors les Américains, ils vont se mettre à soutenir les aides sociales au même niveau exactement que les Européens. Et inversement, si tu dis à des Européens, est-ce que vous êtes en faveur des aides sociales, en leur disant que les prestataires de ces aides, ce sont des personnes qui n'avaient juste pas envie de travailler, ils vont se mettre à s'opposer aux aides sociales de la même façon que les Américains. Et donc ça, ce que ça montre, c'est que tu peux faire varier très facilement les jugements moraux rien qu'en changeant un petit bout d'information. Et ça montre que, par exemple, les Américains et les Européens, ils pourraient tous avoir le même sens moral, les mêmes valeurs morales, dans le sens qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais par contre, ils pourraient être en désaccord sur quelles personnes exactement sont dans le besoin ou comment est-ce qu'on mesure une personne qui est dans le besoin. Mais ça mesure, donc l'idée générale, c'est ça de dire... Ça mesure que s'il y a un présupposé implicite dans la question, qui n'est pas le même... Pour un Américain, ouais. L'Américain, il part du principe qu'il faut, si tu ne précises pas, c'est que la personne n'a pas besoin particulier, donc qu'elle est paresseuse. Et chez nous, si tu ne précises pas, bah, c'est qu'elle est là et que c'est pas sa faute. Et donc, il y a des présupposés qui, pour le coup, sont très culturels. C'est exactement ça. Et donc, c'est en particulier là que la culture peut jouer. Tu peux avoir des différences culturelles qui expliquent ces différences de jugements moraux, tout en continuant à postuler que tout le monde... a le même principe moral, si tu veux, qui est d'aider les gens qui sont dans le besoin. Et bon, il y a plein d'autres exemples dans le livre comme ça, mais même des exemples plus débiles, entre guillemets. Par exemple, je prends l'exemple de... T'es à un croisement et tu vois une voiture qui grille un feu rouge, et en général, tu vas considérer ça comme un comportement irrespectueux, immoral, etc., tout ce que tu veux. Mais si on te dit que dans la voiture se trouvait une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher et qu'elle devait aller à l'hôpital le plus vite possible... Là, tu vas tout de suite inverser ton jugement. Tu vas trouver que ce comportement, il est beaucoup plus acceptable. Donc, ça montre bien que le sens moral, c'est quelque chose de flexible. C'est un algorithme qui fait des calculs à la volée, comme disent les informaticiens, et que tu peux facilement changer les jugements moraux rien qu'en changeant l'information sur laquelle travaille l'algorithme. Il y a plein de gens dont le super-héros préféré, c'est Batman. De base, c'est un riche qui sort dans la rue déguisé pour aller tabasser des gens qui ont été poussés à la clandestinité. Qui sont souvent pauvres. Et qui sont souvent, de fait, très très pauvres. Alors qu'il pourrait mettre de l'argent dans les aides sociales pour donner du travail à ces personnes, pour leur donner des aides. Mais non, il a décidé qu'il allait utiliser son argent pour aller les tabasser. C'est pas moral. Batman n'est pas moral. Les présupposés. C'est pas un truc inventé par des gauchistes, hein, Batman. je précise pour ceux qui nous rejoignent que j'arrête le sondage parce que la question est-ce moral ? Ceux qui débarquent maintenant, qui ont raté parce que la question était mal posée, qui ont raté l'exemple, ça ne sert plus à rien que vous y répondiez, vous ne savez pas de quoi on parle. Donc je ferme le sondage. Parce qu'on se rapproche dangereusement du 50-50. 57%, très, 43%, très ça n'a plus aucun sens. Vous avez raté la question de... Sondage terminé, 57 contre 42. Ah, mais bon, c'est ma faute, j'ai mal posé la question. Voilà, c'est ma faute. Il y a un truc...
on va remonter un tout petit peu, parce que ça me paraît important aussi pour expliquer cette histoire d'intuition par rapport à réflexif. Il y a un élément que j'aimerais soumettre à ta sagacité, que l'on constate lorsque on questionne des gens qui, dans des situations extrêmes, se sont comportés en héros. Il y a notamment cet exemple du jeune homme qui avait sauté sur un balcon pour récupérer un gamin qui allait tomber ou que sais-je, voilà, enfin, qui a échappé au renvoi dans son pays, enfin, ailleurs, hors de France, grâce à cet acte héroïque. Et quand on lui pose la question, à lui et à tous ceux qui ont ce type de comportement, ils répondent toujours « j'ai pas réfléchi ». Il y a ce sentiment d'urgence de lorsqu'on est face à un jugement, voilà, enfin, t'as évoqué le feu rouge spontanément, quelqu'un qui crée un feu rouge spontanément, on dit c'est pas bien. Et après, quand on peut réfléchir, on peut éventuellement favoriser son jugement. Mais quand on doit sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, bah, on saute à l'eau pour le sauver ou pas si on a peur de la flotte. Mais en général, les gens qui ont ces comportements héroïques, qui se mettent en danger eux-mêmes, s'ils prenaient le temps de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'ils le feraient pas. Et s'ils ne réfléchissent pas, c'est parce qu'ils ont cette intuition, cet instinct qui les pousse, qui les met en danger. D'un point de vue évolutionnaire, ça pourrait être étonnant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et ça plaide, ça, pour le fait que nos jugements moraux sont très rapides, quasiment immédiats, on n'y réfléchit pas. Et si on savait les justifier, peut-être qu'on les ferait... Enfin, si on voulait les justifier avant... d'agir en conséquence, peut-être qu'on agirait différemment. Est-ce que ça, c'est des éléments qui... Est-ce que les travaux sur cette question-là, parce que moi c'est purement des choses que j'ai vues passer dans des témoignages, j'ai pas vu l'étude là-dessus, mais ça me semblait dans le sens de ce dont tu parlais. Ouais, je pense que oui, j'ai pas vu passer de travaux non plus, mais moi j'aurais la même interprétation que toi, c'est que c'est aussi des données qui vont dans ce sens du fait que voilà, tu vois une situation qui pose problème, tu agis tout de suite, tu réfléchis même pas, c'est du domaine de l'intuition. Mmh. Et après, souvent, tu vois, quand tu interviews le type qui a fait un truc héroïque, il refuse le statut de héros. Tu vois, il dit, bah non, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, tu vois, ça montre que, qu'ils n'ont pas réfléchi, en fait. Hein, ils ont juste fait, ils ont suivi leurs intuitions. Et ça, c'est ni bien ni mal en soi, veut dire tant mieux s'ils le font et tant pis si c'est pas réfléchi et tant pis si on ne ferait pas sur réfléchir, mais dans quelle mesure ce type de comportement, parce que c'est compliqué à reproduire, enfin, autant en laboratoire on peut évaluer des jugements, mais des actes comme ça héroïques où les gens se mettent en danger, c'est très compliqué de le reproduire en laboratoire. Est-ce qu'il y a des travaux sur cette question là parce que ça touche à la morale quand même, ces comportements. Oui. Alors maintenant, tu m'y fais penser, il y a quand même des travaux, il y a notamment des travaux de sociologues, et j'ai même fait une vidéo là-dessus qui s'appelle, c'était une de mes toutes premières, ça s'appelle, je crois, « Comment vous comporteriez-vous dans un attentat ?» Un truc comme ça. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui a été étudié, comment les gens réagissent quand ils sont dans un attentat. Il y a pas mal de sociologues qui ont étudié ça. Donc tu peux étudier ça à travers les caméras de surveillance, c'est ça qui est intéressant, donc quand c'est dans des lieux publics avec des caméras. Ou alors tu peux faire des interviews des survivants. Oui. Et une des leçons justement de ces interviews que tu fais avec des survivants et de ces travaux en général, c'est de montrer que, contrairement à ce qu'on peut penser, quand tu es dans une situation de stress extrême comme ça, comme lors d'un attentat, lors du 11 septembre ou lors de l'attentat au Bataclan, c'est pas du chacun pour soi. C'est pas les gens pètent tous un câble et ils vont tous essayer de sauver leur peau en premier, tu observes énormément de comportements d'entraide spontanés aussi dans ces situations-là. Oui. Donc, ouais, ça me fait penser à ça. Je pense en termes de mise en situation réelle, en dehors du laboratoire, je pense que c'est un des sujets qui a été le... C'est un peu l'inverse de ce qu'on met en scène dans les films apocalyptiques, on voit les gens qui s'entretuent. Alors après, on a aussi vu des scènes où les gens se battaient pour des papiers toilettes lors du film, donc faut pas non plus être angélique. C'est un peu rassurant sur la nature humaine, entre guillemets. Je me dis, exactement. J'ai une autre question sur d'autres concepts qui peuvent aider à comprendre ce dont on parle, c'est l'empathie, qui est des choses qu'on ressent. Elle existe, l'empathie, puisqu'on on la ressent. Dans quelle mesure la morale s'appuie sur l'empathie
Et dans quelle mesure? Parce que je sais qu'il y a j'ai oublié le nom de, mais il y a quelqu'un qui a écrit un livre contre l'empathie. Je crois que c'est Monsieur Bloom. C'est intéressant. On peut en parler juste après, dire si c'est bien ou mal. Mais déjà, est-ce que l'empathie fait partie du champ de recherche sur la morale? Ouais, c'est connecté. C'est tout à fait connecté. Après, est-ce que ça, c'est plus ou moins connecté en fonction des chercheurs? Donc, par exemple, tout à l'heure, on disait que Franz Deval, il avait une vision entre guillemets continuiste de la morale, c'est-à-dire qu'il pensait que c'était le prolongement de capacités qu'on trouve déjà chez d'autres animaux, et l'empathie, ça fait partie de ces capacités. Mmh. Donc tu demandes à Franz Deval, il te dirait oui, l'empathie, ça fait partie du domaine de la morale. Après, nous, on est un peu plus circonspect, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles tu éprouves de l'empathie sans pour autant juger que la situation est morale ou immorale. Donc par exemple, si je te vois... Ouais, c'est ça, exactement. Si tu vois quelqu'un qui souffre... Alors non, c'est pas... Ouais, c'est ça. Si tu vois quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue, par exemple, tu vas avoir de l'empathie pour la personne qui se fait attaquer et tu vas juger que la situation est immorale. Mm-hmm. Mais maintenant, si tu vois quelqu'un qui se blesse en ouvrant des huîtres, par exemple, tu vas à nouveau voir qu'il souffre et donc tu vas avoir de l'empathie pour cette personne, mais cette fois-ci, tu vas plus juger que la situation est immorale. Et donc ça montre bien qu'il y a... Ouais, alors, tant plus blé, vous voulez justement dire une connerie, mais... Oui. Et si elle tombe? Là, c'est rigolo. Si la personne tombe sur une peau de banane que personne n'a posée. Voilà, ouais, ça c'est encore un autre point. Je m'excuse, je n'interviendrai plus donc, pour des choses pertinentes désormais. Il y a une dissonance, une disjonction entre l'empathie et le jugement moral de la situation pour laquelle on est empathique. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'empathie est très souvent associée à la morale, mais pas toujours. Et du coup, si tu dis ça, tu dois expliquer qu'est-ce qui fait que certaines situations qui nous font éprouver de l'empathie sont également jugées comme des situations morales ou immorales, et qu'est-ce qui fait que d'autres non. Et pour expliquer ça, on pense que tu es obligé de faire intervenir un sens moral à part entière. Tu es toujours obligé de postuler qu'il y a autre chose. D'accord, c'est pareil pour plein d'autres émotions, en fait. Par exemple... attends, qu'est-ce que j'ai en tête? Je sais pas, il y a le dégoût et la morale aussi. C'est ça exactement. Le dégoût, par exemple, c'est très souvent associé à la morale. C'est-à-dire, si tu entends un homme politique qui a fait quelque chose de dégueulasse, justement, qui malgré tout devient ministre, par exemple. Voilà. Donc tu vas dire c'est immoral, c'est dégueulasse, je suis dégoûté. Tu vois, tu as le champ lexical du dégoût qui arrive très vite quand tu penses à la morale. Mais pourtant, tu as quand même plein de situations dans la vie de tous les jours où tu es capable d'éprouver du dégoût sans pour autant moraliser la situation. Par exemple, tu croques dans une pomme pourrie, tu vas ressentir du dégoût, mais tu vas pas avoir de jugement moral. Donc ça montre une nouvelle fois que tu es très égocentrique et que tu trouves que l'univers te traite mal. Voilà, sauf si t'en veux à tout l'univers. Mmh. Mais donc ça montre encore une fois qu'il y a une distinction à faire, que tu peux pas mettre une équivalence entre le dégoût et la morale, ou entre l'empathie et la morale. Enfin, en tout cas, pour nous, on pense que c'est pas exactement la même chose. D'accord, donc on va en arriver à la troisième partie sur la psychoévo, mais pour faire un peu le résumé sur répondre à ta question. Pourquoi notre cerveau invente le bien et le mal? C'est une question qui est vertigineuse. Si tu devais nous répondre en trois phrases, pourquoi le cerveau a inventé le bien et le mal? C'est quoi ta réponse? En trois mots, c'est « on ne sait pas ». du coup, il ne faut pas acheter le bouquin, arrête. Olivia ne va pas être contente. Hein. C'est ton éditrice, elle ne va pas être contente du tout. Si, parce que justement, ce qui est important, comme disent les influenceurs, ce n'est pas la destination, c'est le voyage pour arriver à la destination. Ils disent ça, les influenceurs. Et donc, on est vraiment dans une phase de recherche où je ne peux pas encore te donner de définition précise, mais comme je te disais, on est en train de publier un papier où je pense qu'on a fait du progrès, et je vais sûrement en parler sur ma chaîne un de ces jours. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, ils peuvent aller s'abonner à ma chaîne. Tu m'enverras le lien de l'article, s'il te plaît, quand ça sort. Tout à fait. Parce que j'ai pas le droit d'être au courant des résultats. Voilà, je ne suis pas dans les secrets de la recherche en train de se faire. Donc on va passer à la partie 3, où tu avais autre chose à nous dire sur l'évolution de la morale. Non, c'est bien. Passons à la partie 3, qui est probablement la plus difficile aussi. Alors, juste... Faut qu'on arrête de mettre les choses les plus compliquées en troisième partie, parce que systématiquement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais c'est pas le cœur du sujet, mais c'est quand même une couronne importante. Donc, transition avant de passer à la partie 3, vous annoncez que le prochain Tranchant Live, ce sera au mois de juillet, puisque là, on est au mois de juin.
J'ai pas la date encore et on aura deux invités, mais je, les contacts se font, ça prend du retard, donc je ne peux pas vous dire exactement qui on aura parce que c'est pas confirmé ni la date, mais sauf si on annule tout, ce sera sur la thématique de la guerre et l'information. Vous savez comme moi que depuis le mois de février, il y a la guerre en Ukraine, que l'intérêt populaire pour la guerre va diminuer. Parce que l'humain, voilà, enfin, on en a beaucoup parlé au début, on en parle de moins en moins, et moins on en parlera plus, ce sera dommage pour les plus faibles de l'affaire, donc il faut qu'on en parle. Et l'information, Rudyard Kipling nous disait que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Bon, il y a des morts aussi, mais la vérité, en général, a été fusillée avant pour justifier qu'on passe à la guerre. Et donc, il y a tout un brouillard de guerre autour des événements. Les gens mentent dans les deux camps, pour plein de raisons compréhensible, et ben on va parler de ça, de comment est-ce qu'on peut se faire un avis pendant la guerre. C'est très compliqué, donc on aura deux expertes normalement pour parler de ça. Je vous annonce qu'au mois de juillet ou fin juin, il y aura un nouveau format qui va s'appeler Ça coule de source, qui sera plus un format magazine, voilà, où on va vous... Je vais vous présenter l'actualité du monde sceptique. On discutera avec l'aide de ce qui se passe sur la chaîne et autour. On aura un segment avec un invité qui sera la source de la soirée pour évoquer soit un livre, soit un travail ou une vidéo ou quelque chose. Et puis on finira avec la section commentaires de nos différentes pages pour répondre aux commentaires ou à ceux que vous aurez eus. Voilà, quelque chose qui soit plus les sceptiques parlent aux sceptiques, puisqu'on a d'autres formats où on s'ouvre au monde extérieur. Là, ce sera plus entre nous pour essayer de nous domestiquer les uns les autres. Je vous annonce que le 13 juin, je serai à Mouguère, près de Bayonne, pour une conférence faite par les promeneurs du net qui s'appelle « Est-ce que vous savez douter ?». C'est gratuit, mais il faut vous inscrire. Donc allez voir sur Twitter et Facebook, j'ai donné les liens pour s'inscrire pour aller voir ça. Donc c'est près de Bayonne, à Mouguère, le 13 juin. J'ai donné toutes les informations. Juste ce bouquin-là que je n'ai pas lu, puisque je cherche aujourd'hui. Mais Thomas Himes est un biologiste et nous le recevrons en septembre. Alors je vous annonce, j'ai pas la date sûre, donc j'ai pas la date, mais ce sera en septembre. On va faire la tranche en live en public. Et oui, nous allons revenir en public. Vous pourrez être présent physiquement, ça va être magnifique. On sera plus enfermé dans ce petit local. Donc on aura toute l'équipe qui sera là et vous pourrez nous toucher, voir les gens, enfin, pas trop. Hein. Mais voilà. Et donc Thomas Himes, c'est un biologiste. On va parler de la métaphore du programme génétique. Il n'y a pas de programme génétique, c'est pas vrai, c'est une métaphore, c'est un abus de langage, mais c'est compliqué de parler de ce que c'est qu'un gène sans parler de programme. Donc voilà, ce sera l'émission de la rentrée qui sera, je pense, passionnante. Vlad ? Oui, et ça tombe bien parce que c'est pas mal relié avec ce que tu viens de dire, donc habile transition mon cher Mandax. Quelqu'un pose la question, n'est-ce pas une erreur de langage en évolution de poser la question du pourquoi ? On ne dit jamais assez à quel point il est difficile... de parler d'évolution et de parler d'à peu près n'importe quoi sans tomber dans des biais de langage qui vont être des abus de langage. Le langage n'est pas vraiment fait pour raisonner sur des questions aussi complexes et sur des questions qui n'amènent pas à une certaine agenticité ou finalisme. Je dis les deux parce que les deux sont très compliqués. On a des biais de langage qui font qu'on va souvent dire les choses de manière maladroite. C'est aussi pour ça que la reformulation est souvent utile. Bien sûr que non. La question posée, c'est pas tellement pourquoi. Mais enfin, en français, pas à quelle fin. En français, pourquoi différents sens. C'est ça. On avait évoqué avec Stéphane juste avant de démarrer le live cette idée de est-ce que on parle ou pas du piège finaliste de la langue avec les girafes ont un long cou pour atteindre les branches. Bah, bon, c'est ça. On l'a pas fait parce que on s'était promis que si jamais on faisait un abus de langage, paf, on s'arrêterait pour en parler. Et comme on n'en a pas fait ce soir, il me semble, alors on n'en a pas parlé. Pense. Enfin, ça arrive vite, mais... Bah, c'est surtout que je pense qu'on l'a fait sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il me semblait intéressant de faire cette petite parenthèse entre deux parties. Tout à fait. Le langage finaliste est un des problèmes de la vulgarisation, même pour parler de l'évolution. Et de temps en temps, on peut s'autoriser des abus si on a bien signé un contrat avec les gens sur qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle comme ça, comme on le fait. Bon, donc éventuellement, Stéphane, si tu veux développer, sinon on passe à la partie 3. Non, c'est exactement ça. Et Guillaume Lecointre, il dit exactement ça. Je le cite dans ma vidéo que j'ai fait sur le sujet. Il dit, il n'y a aucune honte à dire l'œil a évolué pour voir à partir du moment où tout le monde est conscient que ça veut dire que la fonction évolutionnaire pour laquelle l'œil a été sélectionné, c'est
la récolte des rayons lumineux. Donc à partir la du moment où on de performance de l'œil, c'est la vision, c'est le vocabulaire de Guillaume Lecointre. Exactement. Donc tant qu'on sait de quoi on parle, il n'y a pas de grand mal à utiliser du langage finaliste. Bien. Parlons des sujets qui fâchent à propos de la psychologie évolutionnaire. Qui fâche certaines personnes. Qui fâche un je peu. Je reprécise. Qui fâche un peu. Voilà, dès qu'on parle de ces sujets-là, il y a des petits groupes de personnes que ça fâche et qui le font savoir et qui en parlent beaucoup et qui souvent en parlent mal d'ailleurs. C'est fatigant. Donc j'espère qu'on va pouvoir éclaircir certaines choses. Tu as fait au moins une vidéo très longue, 1h50 je crois, ou 1h30, je ne sais plus. Ouais, presque 2h, ouais. Et ça, que je conseille à tout le monde, parce que tu reviens, tu es d'un calme, d'une pédagogie, enfin, tu es très serein sur la question, et j'espère... D'une mollesse. Non. Mes abonnés, ils me le disent. Oui, mais tu es placide, tu es tranquille. Et on a besoin aussi parfois de passer par là parce que les gens énervés, c'est mieux si toi tu réponds comme ça, plutôt que si on est sur le même ton avec ceux qui s'énervent sur ce sujet-là. Et j'espère que tu en feras un livre. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être que pour expliquer pourquoi, parce qu'on entend des gens dire que ce n'est pas une science, la psychologie. Enfin, des gens, pas beaucoup, hein. Mais je les vois, en tout cas, ils se pointent dans mon orbite, ils arrivent pour dire que c'est pas une science. En tout cas, elle est un peu mal aimée et elle est mal comprise. C'est pas une discipline qui est très très connue et elle n'est pas si vieille que ça. Et elle a une histoire aussi qui n'est pas facile à porter. Il faut reconnaître qu'elle a été un peu instrumentalisée. Donc, Vlad. En tout état de cause, l'évolution est déjà mal comprise et les sciences sociales, les sciences cognitives, toutes les sciences à la jointure desquelles sont la psychologie évolutionnaire sont très mal comprises. Donc tout ça, ça ajoute de l'incompréhension, ça ajoute du flou sur le message en définitive. Donc voilà, est-ce que la psychologie évolutionnaire est mal aimée juste parce qu'elle est mal comprise ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Bah, en fait, il y a des... Non, ça, je peux répondre... Non, il y a aussi des vraies raisons, évidemment, parce que si c'est une science comme une autre, il y a aussi des problèmes méthodologiques qui s'y posent, comme dans n'importe quelle science. Donc, évidemment qu'il y a des questions de fond qui se posent sur la psychoévo. Il y a certains concepts qu'elle manipule, comme le concept d'adaptation. C'est un concept qui est très difficile et qui est discuté depuis longtemps en biologie de l'évolution, qui ne soit pas de la psychoévo. Donc, évidemment qu'il y a certaines questions qui se posent. Mais... Si tu interroges des psychologues évolutionnaires, ils vont aussi te dire que la plupart des critiques externes du champ, c'est des critiques qui sont mal placées parce qu'elles sont basées beaucoup sur des incompréhensions ou sur des caricatures. Et c'est pour essayer de lever ces incompréhensions et ces caricatures que je fais mes vidéos. Je vais citer un extrait d'un article de l'Express où Pascal Boyer a répondu, parce qu'il sort un livre que j'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, qui s'appelle La fabrique de l'humanité. Pascal Boyer, c'est l'auteur du livre Et l'homme créa les dieux. On en a déjà parlé dans l'émission plusieurs fois. C'est vraiment un livre très, très important. C'est un anthropologue en sciences cognitives. Et donc, l'Express dit: votre domaine de recherche est encore peu connu en France, alors que notre pays abrite certains de ses meilleurs chercheurs mondiaux, donc les chercheurs en sciences cognitives. Pourquoi les grands cognitivistes français sont-ils si peu médiatisés pour vous? Et je vous lis la réponse de Pascal Boyer. D'abord, ils restent peu nombreux. Ensuite, le monde intellectuel français est très structuré entre gauche et droite, et rares sont les débats sur la société qui échappent à cette dichotomie. Les sciences sociales marquées par Bourdieu sont par défaut des travaux militants. Paradoxalement, par conséquent, ceux qui aspirent à une analyse de la société sans militantisme sont accusés de faire du militantisme. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je suis en grande partie d'accord avec lui. Ça fait partie des raisons. Ma prochaine vidéo... Je ne sais pas que ça explique tout, mais je trouve que c'était... Comme j'ai lu ça il y a quelques temps, je trouve que c'est intéressant, ça éclaire une partie du problème au minimum. C'est ce que te diront tous les psychologues évolutionnaires, même en dehors de la France, hein, aux États-Unis, c'est peut-être pas exactement les mêmes problèmes, mais tu interroges n'importe quel psychologue évolutionnaire, il va te dire qu'il y a, tout ce dont il a parlé qui joue. Ouais. Alors, dans les vrais... limite les vrais problèmes. On a là, je l'ai évoqué, les just so stories. Donc c'est une expression qu'on doit à Stephen Jay Gould, qui est un biologiste de l'évolution, grand vulgarisateur, donc quelqu'un qui n'était pas créationniste, hein, donc on peut pas accuser de ça, mais qui s'est un peu battu avec les gens qui étaient un peu trop adaptationnistes
avec raison. C'est vrai que c'est intéressant de mettre à l'épreuve l'idée que tout caractère qui existe est là parce qu'il a été sélectionné, parce que c'est une adaptation. Non, c'est pas vrai. Il y a des caractères qui sont là parce qu'ils sont embarqués dans le flux avec d'autres, ça peut, bien sûr. Ou pas par hasard. Parce qu'ils sont pas, si t'es sur un chromosome, c'est pas par hasard. T'es là, puis tu viens avec, par exemple. Mais, oui. Bref. Et donc, voilà. Donc ça, c'était dans les années 70-80. C'était dans un contexte un peu différent. Un contexte où... Gould se battait contre les résistances à la théorie d'évolution dans différents milieux. Donc, mettre un peu le holà sur la psychologie évolutionnaire, c'était aussi une stratégie pour faire accepter la j'ignore, hein, j'extravague, mais cette critique de attention, vous faites juste des belles histoires, des scénarios cohérents, mais qui ne reposent pas sur des données falsifiables, réfutables, qui mettent à l'épreuve ce que vous dites, elle est vraie, c'est-à-dire qu'elle est justifiée, cette critique de base. Mais en quoi est-ce que la théorie, est-ce que la psychologie évolutionnaire est plus coupable que d'autres ? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec le fait que cette critique est vraie. Je pense que cette critique, il y a beaucoup de biologistes de l'évolution qui considèrent, notamment son article des années 70, là, qui s'appelle Les Spandrelles de San Marco, oui, ou un truc comme ça. Comme être abusif, oui. Voilà, qui vont considérer que cet article, c'est vraiment une grosse caricature. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il dit qui sont vraies, mais Gould, il était en permanence dans la caricature et il allait complètement... Justement, il faisait passer les biologistes de l'évolution pour des gens qui voyaient des adaptations partout. Mais est-ce que parce que, pour me faire l'avocat de Gould, pas trop mon genre, je suis plutôt de Keynesien que Gouldien, mais il est vrai que dans la manière dont on parle de l'évolution, peut-être pas les chercheurs, mais les grands, si vous regardez un documentaire animalier où à un moment donné on parle d'évolution, vous êtes quasiment sûr qu'on vous parlera des adaptations et que tout est adaptation et que la population peut avoir l'impression que la biologie nous explique que tout est adapté, voilà, et que c'est comme ça, et que Gould se battait peut-être plus sur ce terrain-là. Mais comme je n'ai pas relu Gould, je ne sais pas ce qu'il critiquait. S'il critiquait les chercheurs directement, sûrement que c'était de la caricature, mais s'il critique un petit peu la manière dont le public a accès à ça, et lui-même était vulgarisateur, donc je pense qu'il pouvait aussi en parler, peut-être que c'est plus justifié. Voilà, je me fais son avocat pendant quelques temps. Ouais. Lui, il s'adressait aux chercheurs, hein. C'est... il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord. Il les cible, il les a même ciblés nommément à plusieurs reprises. Mais sinon, tu as raison, dans le grand public, dans les documentaires, etc., je trouve qu'on n'explique pas assez pourquoi on pense que telle chose ou telle chose est une adaptation. Ça, je pense que c'est quelque chose de vrai. Après, dire comme Gould que les biologistes pensent qu'il y a de l'adaptation partout, que la nature est parfaite, etc., ça, c'est vraiment du domaine de la caricature. Et c'est vraiment dommage parce que cette caricature, elle a été reprise. Cet article, c'est un des articles les plus cités en biologie de l'évolution, mais en fait, il est souvent cité par des gens qui ne sont pas vraiment du domaine et qui veulent juste avoir un article à citer pour justifier leur rejet des approches évolutionnaires du comportement. Donc, alors, comment tu peux expliquer que le comportement humain en particulier pose problème lorsque cette discipline s'y attaque ? Il y a l'expression de créationnisme cognitif qui circule parfois, c'est-à-dire c'est quasiment du créationnisme que de refuser de l'explication évolutionnaire sur les comportements. Peut-être que c'est abusif, mais ça circule. Est-ce qu'on peut comparer ça à du créationnisme ? Est-ce que c'est caricatural, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tu peux, mais par exemple, ce sera difficile d'accuser Gould ou Lewontine, parce qu'il n'y avait pas que Gould, d'être des créationnistes. Tu vois, c'était des biologistes, ils ne rejetaient pas du tout la théorie de l'évolution, au contraire, ils la défendaient même publiquement. Moi, je pense que le point sensible principal, c'est juste la peur de la récupération de ces disciplines par des politiques conservatrices. Et des politiques conservatrices qui feraient ce qu'on appelle du paralogisme naturaliste, c'est-à-dire que parce que tu aurais montré que quelque chose était naturel, alors forcément tu serais obligé de suivre cette chose. Donc par exemple, Gould et Lewontine, je pense qu'ils avaient peur que si tu montres que l'agressivité, c'est une adaptation chez les primates, alors il y a des gens qui vont ensuite récupérer cette information. Bien sûr. Pour justifier l'agressivité, pour dire... Le fait est que c'est le cas. Voilà. Et le fait, ils l'ont fait, oui. En fait, ils l'ont fait et ils continuent encore à le faire aujourd'hui. Bien sûr. J'ai un projet avec quelqu'un qui m'aide de s'intéresser un peu aux influenceurs masculinistes et à leurs propos. Parce que souvent, ils
ils travestissent ce que dit la science, ils travestissent notamment l'évolution, et ils baragouinent des trucs complètement tarés sur qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, quoi. Et notamment, on a aussi chez les bobos c'est naturel, toute cette culture de parce que c'est naturel, c'est bien, qui est de la même veine, finalement. Et ces gens-là existent, et ils ont cette rhétorique d'appel à la nature. Et donc, finalement, si toi, tu viens avec la discipline et que tu expliques que, comme tu dis, l'agressivité est une adaptation, ce qui est vrai, parce que si tu veux contrôler la sexualité de tes femelles quand t'as un grand singe et puis pouvoir avoir des sonores. Alors, c'est pas un calcul conscient, mais bon, c'est comme ça que c'est une stratégie évolutionnaire. Le fait en est qu'il y a, tout cas, c'est une hypothèse considérée. Voilà, être agressif. Dire que c'est vrai, je sais pas, mais bon, c'est considéré. En tout cas, être agressif, c'est présent dans la nature et on peut trouver un rôle à ça. Et le fait qu'on puisse trouver un rôle naturel à l'agressivité, ça fait pose bien. Problème à certaines personnes. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est la raison principale pour laquelle les approches évolutionnaires du comportement sont tant décriées, c'est parce qu'on a peur de ces récupérations. Alors évidemment, je nie pas ces récupérations. La question, c'est plutôt de savoir, étant donné qu'il y a des récupérations, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on arrête de faire de la science ? Est-ce qu'on... Je sais pas, on publie des articles que quand on est sûr à 99% qu'une théorie est vraie, mais dans ce cas-là, comment tu mesures le niveau de preuve d'une théorie ? Enfin, c'est des questions qui sont vraiment infinies. Et puis surtout, un truc sur lequel je veux insister tout de suite, c'est que la psychoévo et toutes ces approches évolutionnaires du comportement, elles ne font pas que naturaliser des trucs néfastes comme l'agressivité. Tu vois, par exemple, moi, le sujet de ma thèse, c'était de dire qu'il existe un sens moral naturel et universel. Mmh. Donc si vraiment... tu penses que tu peux puiser dans la nature des sources d'inspiration pour le comportement, tu dois à la fois prendre les bons côtés de la psychoévo et les mauvais côtés. Il n'y a pas que des mauvais côtés qui peuvent être récupérés par des conservateurs dans toutes ces recherches sur le comportement. Notamment que on est capable, notamment depuis le jeune égoïste, d'expliquer l'altruisme avec les algorithmes darwiniens. C'est-à-dire que c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'entraide dans la nature, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup. Et donc le fait qu'on trouve de l'entraide dans la nature ne dit pas qu'il faut en faire. Il faut en faire parce que, pour d'autres raisons, mais le fait est que, comme tu dis, on pourrait justifier l'entraide par le fait que, regardez, les fourmis, elles s'entraident beaucoup. Dans la nature, les loups sont solidaires, les éléphants, etc. On pourrait le faire. Mais il ne faut pas le faire, en fait. Parce que si on le fait pour ça, alors évidemment, on ne pourra pas se plaindre que d'autres le font pour autre chose. Donc peut-être qu'il faut qu'on se discipline sur le fait d'arrêter de prendre la nature comme exemple. Exactement, c'est un des messages que moi j'essaie de porter. Ma prochaine vidéo, je ne sais pas si elle sera aussi longue que la précédente, mais elle sera pile sur ces sujets et elle s'appellera « Peut-on être de gauche et aimer la biologie du comportement humain ?» Donc tous ceux qui sont intéressés par ces sujets, je pense qu'ils devraient apprécier la vidéo. Je reviens, en fait, je diffuserai des opinions sur ces sujets qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont les opinions... tenu par la plupart des gens ça dans ce un champ. Peu Jonathan Haidt, justement, qui s'intéresse au sens moral entre les républicains et les démocrates, qui montre qu'il y a quand même beaucoup de choses communes. Et puis, il y a des parfums un peu différents, avec des sensibilités... Enfin, la différence n'est pas si grande que ça lorsqu'on s'intéresse à tous les jugements possibles. C'est ça qui est... Ouais. Je ne vais pas utiliser cette approche, mais ça pourrait... Et aussi, tant qu'on est en train de parler de politique, juste un truc qui est rigolo, entre guillemets, c'est que toutes les plus grandes pointures dans ce champ-là, donc en psychoévo, mais aussi avant ça en sociobiologie, c'était à l'écrasante majorité des gens de gauche, voire d'extrême gauche, des communistes, des marxistes, etc. Voilà. Et donc, voilà, c'est des disciplines qui sont souvent accusées comme étant de droite, mais en fait, quand tu regardes quelles sont les personnes qui la pratiquent, tu te rends compte que c'est des gens de gauche, comme tous les chercheurs, en fait. Hein, la majorité des chercheurs sont de gauche. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui vont réutiliser ces disciplines-là, je ne vais pas citer de nom, mais on a des gens qui vont te parler du QI humain. Avec je n'ai pas creusé le sujet, je ne connais pas le dossier, mais on a une carte du QI humain. On aurait mesuré, et dans certains pays d'Afrique, ils auraient un QI plus faible que dans l'autre pays. Et ça serait par idéologie qu'on veut le cacher, etc. Donc, les gens se fritent sur cette question de qui, moi, me paraît extrêmement secondaire et ne m'intéresse pas, donc c'est pour ça que je n'ai pas consacré le temps. Mais ça crise beaucoup les gens, et du coup, ils entendent parler de ta discipline, souvent, d'abord, via ces débats qui me paraissent un peu secondaires, pénibles,
rarement très très intéressant, rarement très très documenté, mais très passionné. Oui, c'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, c'est pour essayer de contrer cette image que je vais faire ma prochaine vidéo. Bon. Et je ne sais pas si ça vaut la peine de développer, mais justement, cette carte des QI, par exemple, là, ce n'est pas de la psychoévo. Si tu connais un peu le sujet, on peut prendre 5 minutes. Hein. On a un peu de temps parce que, ça, vu de loin, il y a plein de gens qui sont persuadés que c'est la même chose que ce que tu fais, que c'est le même discipline. Ben justement, pas du tout. Alors, je ne veux pas parler du fond du sujet. Vous inviterez peut-être un expert du sujet un jour. Moi, je ne suis pas expert là-dessus. Mais je voulais juste te dire, pour illustrer la différence, en fait, il y a différentes façons d'utiliser la théorie de l'évolution pour mieux comprendre le comportement humain. Et en psychoévo, pour faire une analogie, c'est comme si tu regardais un documentaire à la télé qui t'explique comment fonctionne un cœur. Et donc, ce documentaire, il va te dire... il va te décomposer le cœur comme si c'était un système d'ingénierie. Il va te dire il est composé de différentes parties. Tu as un ventricule gauche, un ventricule droit, etc. Il va te montrer comment ces différentes parties s'articulent les unes avec les autres. Et tout le temps, tu vas être dans le présupposé que cette manière de fonctionner pour le cœur, elle est universelle. C'est la même pour tous les êtres humains. Mmh. Et là, tu imagines que dans ce documentaire-là, tout d'un coup, tu as un type qui vient te dire qu'il a vu que les populations d'Europe du Nord, ils avaient un gène qui fait que la performance de leur ventricule gauche est un peu moins bonne que la performance du ventricule gauche des populations d'Europe du Sud, parce qu'ils ont des gènes différents. Mmh. Alors tu pourrais te dire, ok, c'est de la connaissance si tu veux, mais c'est de la connaissance différente de la connaissance dont on parlait juste avant. C'est pas, ça va rien t'apprendre sur le fonctionnement du cœur, la façon dont toutes les parties fonctionnent ensemble, que de savoir qu'il y a des gens qui ont des gènes un peu différents qui vont modifier les performances. Et ça... c'est exactement la différence qui existe entre la psychologie évolutionnaire et la génétique comportementale. En psychologie évolutionnaire, on étudie plutôt les adaptations comme des systèmes optimisés par la sélection naturelle, ou en tout cas créés par la sélection naturelle, façonnés par la sélection naturelle. On essaie de comprendre comment ils marchent, et on essaie de comprendre leur fonctionnement universel dans toute l'espèce humaine. On n'est pas du tout en train d'essayer de comprendre pourquoi le système marche un peu moins bien dans telle population, parce qu'il y a des gènes qui sont un petit peu différents. Donc c'est vraiment deux façons différentes de concevoir les rapports entre théorie de l'évolution et comportement. Et voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont encore dans les études, si jamais vous voulez plutôt étudier le vivant dans une perspective d'ingénierie, essayer de comprendre comment ça marche, comment la sélection naturelle elle a façonné tout ça, il faut plutôt faire de l'écologie comportementale ou de la psychologie évolutionnaire. Et si vous voulez plutôt étudier les gènes, il faut plutôt faire de la génétique comportementale ou de la génétique des populations. C'est quoi la grande découverte en psychoévo de ces 20 dernières... Bon, ce n'est pas une discipline qui est très très vieille, mais ils ont depuis l'an 2000, peut-être des choses, des consensus qui ont bougé, des découvertes, qu'on comprenne un peu comment on fait des progrès dans cette discipline qui pourrait, de loin, ressembler à juste des scénarios qu'on lance comme ça, avec ça ressemble à ça, ça doit servir à ça, donc on dit que ça sert à ça. Qu'est-ce qu'on a comme découverte ? Je peux te donner un exemple que j'ai pris dans ma série sur la psychoévo, qui est l'exemple du dégoût. Et justement, ça va nous permettre de revenir sur l'histoire des Just So Stories. Mm-hmm. Alors, pourquoi il y a des gens qui pensent qu'en biologie de l'évolution en général, donc en psychoévo, mais aussi en écologie comportementale et dans d'autres domaines, en sociobiologie avant ça, pourquoi on pense que c'est de la Just So Story, c'est-à-dire de la spéculation en gros ? C'est parce qu'on passe, on postule que les choses ont des fonctions. Par exemple, tu vas dire, pourquoi est-ce que la gazelle, elle se met à sauter en l'air dès qu'elle voit un prédateur ? Tu vas dire, c'est parce qu'en faisant ça, elle informe le prédateur qu'elle est en forme et que donc, ça ne sert à rien de lui courir après aujourd'hui. Alors, donc, tu as une impression de spéculation. Je mets une parenthèse. Tu as encore utilisé le pour. Évidemment, on ne prétend pas que la gazelle a une théorie de l'esprit et qu'elle dit, tiens, toi, je vais t'envoyer comme message que moi, je suis enfant, que ça ne sert à rien. C'est un comportement stéréotypé, mais qui a... comme rôle, tout se passe comme si une information est envoyée par le comportement de la gazelle et le prédateur se dit, bon ben là, du coup, celle-là, elle saute partout, c'est pas une bonne cible pour moi, je vais me rabattre sur quelqu'un d'autre. Donc l'animal qui a ce comportement-là, s'il est irritable, elle a plus de chances de survivre puisque elle ne s'est pas prise en... Si son comportement est bien identifié comme étant un signal par le prédateur, alors elle va survivre mieux. Voilà. Donc c'est tout un ensemble d'infos qui circulent entre le prédateur et la proie qui peuvent expliquer qu'à la fin tout ressemble à je t'envoie un signal. J'ai bien dit ou j'ai embrouillé les gens?
Si, si, non, je pense que c'est bien. C'est, pour moi, c'est évident que c'est la bonne interprétation, mais tu as raison de préciser. Mais donc, c'est tout ça pour dire que tu as une impression de spéculation. Tu vois, oui. Tu dis la gazelle, elle fait ça pour cette raison. Et en psychoévo, ça peut donner la même impression. Par exemple, tu vas dire le sens du dégoût a évolué parce que ça nous a permis d'éviter de rencontrer des pathogènes. Ça, c'est une des hypothèses envisagées. Ça nous évite le contact avec des stimuli qui comportent des pathogènes. Par exemple, tu es dégoûté par la nourriture avariée, par les excréments, par les cadavres, etc. Et donc, à nouveau, impression de spéculation. Et c'est de là que vient en fait la critique de la Just So Story, c'est que quand tu postules que les choses ont des fonctions, tu as l'impression que tu ne peux pas tester cette hypothèse. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas ou oublient ou font semblant de ne pas comprendre souvent, c'est que postuler des fonctions, ce n'est pas juste pour le plaisir qu'on postule des fonctions, c'est parce que ça nous permet ensuite de prédire des choses, comme on disait tout à l'heure, sur le fonctionnement de ces systèmes. Alors, je peux te donner un exemple avec un exemple qui ne soit pas biologique, parce que souvent, les esprits s'échauffent moins quand on prend des exemples qui ne sont pas biologiques et qui ne concernent pas l'humain en particulier. Oui. Donc, t'imagines que tu as ton ordinateur et sur ton ordinateur, tu as un programme informatique, tu ne sais pas à quoi il sert et tu veux essayer de comprendre comment il fonctionne, à quoi il sert. Et le problème, c'est que quand tu cliques sur l'icône de ce programme, il n'y a rien qui se passe. Donc, du coup, quand tu vois ça, tu pourrais te dire « Bon, bah, je ne vais jamais réussir à comprendre ce qui se passe, je baisse les bras. » Mais tu pourrais aussi dire que tu vas postuler que ce programme informatique, il a une certaine fonction. Par exemple, tu vas dire « Ce programme informatique, c'est un virus qui va m'empêcher d'avoir accès à certains de mes fichiers. » Et une fois que tu as dit ça, tu vas ensuite pouvoir aller tester cette prédiction. Tu vas pouvoir, la prochaine fois que tu vas cliquer sur l'icône de ce programme, tu vas pouvoir vérifier en même temps si les permissions d'accès à certains de tes fichiers sont modifiées. Et donc, tu étais face en face d'un programme complexe et opaque, tu ne savais pas par quelle boule analyser, et tout d'un coup, en postulant une fonction, tu es maintenant capable de faire des prédictions et d'aller tester si ces prédictions sont vraies. Et ben, c'est exactement pour ça qu'on postule que les choses ont des fonctions en psychoévo et en écologie comportementale, c'est parce que ça va nous permettre ensuite d'aller tester l'existence de design associé à ces fonctions. Donc là, je peux revenir à mon exemple du dégoût. Quand tu postules que le dégoût a évolué parce qu'il nous permettait d'éviter le contact avec les pathogènes, ce n'est pas une fin en soi d'avoir postulé cette fonction. En fait, c'est juste un moyen de faire des prédictions ensuite. Par exemple, tu vas pouvoir prédire si le dégoût, c'est vraiment quelque chose qui nous fait éviter les pathogènes, alors les personnes qui sont le plus rapidement dégoûtées devraient aussi être celles qui sont les moins infectées. Et ça, c'est une prédiction empirique que tu peux parfaitement aller tester. Peut aller dans des populations de chasseurs-cueilleurs et tester cette prédiction. Et il y a des gens qui l'ont fait et ils ont découvert qu'effectivement, les personnes qui étaient les plus facilement dégoûtées chez des populations d'Amazonie étaient aussi celles qui avaient le plus faible taux de marqueurs de réponse immunitaire. Tu peux aussi faire la prédiction, si tu penses que la fonction du dégoût, c'est de nous faire éviter les pathogènes, tu peux faire la prédiction que les personnes qui sont les plus à risque, qui ont le plus de risque à être contaminées, seront aussi celles qui seront le plus facilement dégoûtées. Et dans l'espèce humaine, les femmes correspondent à cette catégorie, alors pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'à cause de la grossesse et de l'allaitement, elles ont un lien physiologique étroit avec leur bébé, et donc c'est plus facile pour elles de transmettre des maladies que ça ne l'est d'un père à son fils. D'accord. Et donc, une fois de plus, tu fais la prédiction que les femmes devraient plus facilement ou plus rapidement dégoûter que les hommes, et ça, c'est quelque chose que tu peux tout à fait aller tester sur la psychologie des gens dans le présent aujourd'hui. Tu vois, tout à l'heure, on disait... Est-ce que la psychoévo, elle fait des prédictions sur le passé? Non, pas du tout. Elle fait des prédictions sur la psychologie des gens aujourd'hui. Et la prédiction a à nouveau été confirmée. Dans toutes les expériences qu'on a faites, les femmes sont en général plus rapidement, plus facilement dégoûtées que les hommes. Et voilà, tu peux encore faire plein d'autres prédictions. Tu peux faire la prédiction que... par exemple, il pourrait y avoir des connexions avec le système immunitaire classique. Si la fonction du dégoût, c'était vraiment de nous faire éviter les pathogènes, tu pourrais penser que ça serait tout à fait fonctionnel que le dégoût alerte, entre guillemets, le système immunitaire physiologique classique pour faire en sorte qu'il se prépare à une potentielle infection. Et c'est encore un truc que tu peux aller tester et qui a été testé. Et moi, je trouve ça vraiment surprenant, tu vois, c'est qu'effectivement, rien que le fait de présenter des images dégoûtantes à des personnes, ça va augmenter leur température corporelle, ça va augmenter la production de certains marqueurs de réponse immunitaire. Ok. Donc tout ça pour en dire, tu vois, tu fais une hypothèse sur la fonction, et cette hypothèse sur la fonction, elle te permet de faire plein de prédictions sur les caractéristiques que devrait posséder ce système. On n'aurait pas pu postuler des fonctions, faire ces tests-là, on n'aurait pas
une idée à la base. On ne vient jamais neutre, totalement neutre d'hypothèse sur un sujet. C'est une illusion. On est toujours biaisé par des hypothèses qu'on a, en bien ou en mal, mais on ne peut pas faire sans. Donc, quand on assume le fait qu'on a des présupposés sur un sujet et qu'on l'assume et qu'on le verbalise et qu'on les a sous les yeux, ça permet, un, de ne pas les ignorer et deux, de détester. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, ce qu'on appelle un pouvoir heuristique. Les philosophes des sciences, ils appellent ça le pouvoir heuristique. Postuler des fonctions, c'est un pouvoir heuristique parce que quand tu dis qu'un système a une certaine fonction, ça fait immédiatement des prédictions sur son fonctionnement, sur ce qu'on appelle le design en anglais. Et donc, postuler des fonctions, contrairement à ce que disent les gens qui parlent de just so stories, ce n'est pas de la spéculation. Enfin, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen ensuite d'aller tester des prédictions. Et c'est grâce à ce pouvoir heuristique que la psychoévo, l'écologie comportementale et la sociobiologie avant ont eu un succès empirique qui est non négligeable ces 50 dernières années. Il y a même des biologistes qui disent que la sociobiologie est un des grands triomphes scientifiques du XXe siècle. Alors que pour beaucoup de personnes, la sociobiologie, donc bon, j'entre pas dans les détails, mais en gros, c'est l'ancêtre de l'écologie comportementale et de la psychoévo. Pour beaucoup de personnes, la sociobiologie, c'est une pseudo-science qui est morte enterrée depuis longtemps. Alors qu'en fait, ces théories, les théories qu'on a développées en sociobiologie, elles sont centrales pour notre compréhension du vivant aujourd'hui. Elles nous ont permis de faire des centaines de découvertes. C'est publié dans les meilleurs journaux. Oui. Et puis tu demandes aujourd'hui à n'importe quel étudiant qui a fait un master d'écologie et d'évolution, il va te dire que l'écologie comportementale s'est enseignée comme n'importe quelle science. Et ça a été vraiment extrêmement fertile pour nous permettre de comprendre les êtres vivants. Comment s'appelle ta vidéo où tu réponds aux critiques sur la psychoévo? Ça s'appelle « La psychologie évolutionnaire est une pseudo-science ». Voilà. Donc c'est la dernière qui a été publiée il y a deux mois, voilà. Si je m'en réfère à ta chaîne. C'est la chose à laquelle tu réponds. Est-ce que nous avons des questions pertinentes dans le chat? Est-ce que parce que l'équipe de modération me fait remonter, et souvent c'est la question qui tombe à côté, soit qu'on a déjà traité. Ils sont encore sur le véganisme? Non, ils ont... ça, on n'a pas relevé ça. Non, la carte des QI suscite désormais toutes les... Mais la carte du QI, quand je dis que c'était secondaire, c'est que moi, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse personnellement. Et pour le traiter, il faudrait consacrer beaucoup de temps. Vous savez que quand on veut vulgariser, il faut passer un temps considérable sur les choses. Et donc, on fait des choix. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas m'intéresser à ça parce que ça m'intéresse moyen. Notamment parce que tu trouves que c'est quand même... C'est con. C'est con, ça mérite même pas qu'on lui consacre Et je suis très reconnaissant aux gens qui prennent le temps de critiquer ces choses qui sont complètement con. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit secondaire pour tout le monde. Si c'est important pour vous, intéressez-vous-y. Je ne dis pas que ce n'est pas une question intéressante. Juste moi, c'est un champ de mine merdique jusqu'à la stratosphère et on a déjà assez d'emmerdes comme ça et on a tous un temps limité et j'ai des choses à faire à côté donc c'est pas un sujet sauf si on trouve un ou une spécialiste qui a vraiment un truc à dire dessus et qu'on estime que c'est important de l'inviter, on le fera avec plaisir. Pour l'instant moi j'ai pas vu passer et puis accessoirement le fait de débattre sur ce sujet et je ne vais citer personne, ça nous forcerait à interagir avec des personnes mais on a juste même pas envie de les faire rayonner en parlant de leurs conneries, quoi. Mais, bah, peu importe. Leur souhaite de se reconnaître, parce que non. Oui, je pense que c'est des conneries. Bon, c'est un vrai sujet, mais il n'a pas à s'inviter partout. Je l'ai évoqué parce que je crois qu'il y a des incompréhensions sur le fait que ce serait lié ou pas à ta discipline. On n'a pas de questions, ouais. Parce que là, on arrive à la fin de l'émission, c'est l'heure. Je n'ai pas vu passer de questions... Il y a des questions, mais la plupart, je suis vraiment désolé de dire aux gens qui arrivent en ayant raté le début du live et qui posent des questions, mais les trois quarts du temps, on y a déjà répondu en fait. Oui, bah, parce que ce sont des questions qui reviennent sur la base de la base, et la base de la base, évidemment, on commence par ça. Voilà. Donc reprenez le live au début, il est disponible dès maintenant. Alors, j'ai pas envie de dire aux personnes qui arrivent en retard de ne pas participer en posant des questions, mais du coup, poser des questions sur le sujet en cours. Voilà, bah, c'est compliqué de savoir ce qui a été dit, pas dit. C'est ça, c'est extrêmement difficile. C'est pas grave, c'est pas grave, vous avez le droit. Mais maintenant, du coup, vous pouvez aller revoir l'émission du début. Un mot de la fin, mon cher Stéphane Debov, Homo Fabulous. Ouais, j'en ai un. Je voulais réinsister pour dire justement de ne pas vous laisser embêter par toutes ces personnes qui sont vraiment très critiques envers la psychoévo. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser, d'aller la lire dans le texte, surtout, ça c'est très important, de ne pas vous informer sur la psychoévo par les personnes qui la critiquent.
Vraiment, commencez par aller lire les travaux des psychologues évolutionnaires eux-mêmes. Et ensuite, vous verrez que la plupart des critiques, elles tombent d'elles-mêmes. Et je voulais dire aussi que c'est une discipline vraiment très intéressante. Intéressante parce que d'abord, elle est très. D'abord parce qu'elle touche à la question des origines de la cognition, qui est une question qui passionne beaucoup de monde. Ensuite, parce qu'elle est très interdisciplinaire. Alors, on en a parlé un petit peu, hein, mais on peut faire de la psychoévo en ayant une formation d'anthropologue, de sociologue, de biologiste, de mathématicien aussi. Il y a plein de matheux qui font de la psychoévo. Oui. Et donc, si jamais vous allez étudier ces domaines, vous allez être au contact de toutes ces personnes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est intéressant, enfin, parce que, comme on l'a dit, c'est une discipline qui est toute jeune. Elle a à peine 30 ans. Donc, c'est probable qu'il reste encore des grosses découvertes à faire. Et c'est pour ça, entre autres, que quand tu me demandes quelle est la grosse découverte qu'on a faite dans le champ, moi, on a fait plein de petites découvertes, hein, comme je te l'ai dit dans le cas du dégoût. On a vraiment, enfin, ça fait que 30 ans que ça existe, mais tu regardes un manuel de psychoévo, c'est déjà 2000 pages de découvertes qu'on a faites sur le fonctionnement de l'esprit humain. Mais je pense que la plupart des grosses découvertes sont encore à faire. Donc, je conseille fortement à tous les jeunes qui nous écoutent et qui sont encore dans les études de s'intéresser à cette discipline si jamais. Ils cherchent ce qu'ils veulent faire plus tard. Ben voilà mon mot de la fin. Je te remercie pour cette explication. Et merci à vous aussi. Sur la recherche des universaux dans la pensée humaine, s'ils existent. Pour savoir s'ils existent, il faut les postuler pour les tester. On est bien obligé. Exactement. On ne pourra pas savoir sans chercher. Donc voilà, merci à vous d'avoir été là. Merci à l'équipe technique, Lise et Corentin, et à la modération. Vlad, merci d'avoir été là. Hein. Mais avec grand plaisir. Je suis toujours ravi de participer. Merci, Mandax. Personne ne me dit, non, je me dis, merci tout seul. Et, ouais, merci de m'avoir invité. Mais non, mais abonnez-vous. On se revoit dans 6 ans. Exactement. Peut-être qu'on se croisera dans des. C'était des salons, des choses comme ça. Oui, maintenant que la vie est sur le point de reprendre. La vie revient. Donc on s'est été croisé une fois ou deux dans des salons. Peut-être que ça va recommencer. Abonnez-vous à Homo Fabulous. Et donc, on attend la prochaine vidéo sur, j'ai oublié le titre, mais sur un sujet similaire. La politique, en gros, quoi. Voilà. Sur la sensibilité politique, qui est un vrai sujet qu'il ne faut pas écarter. Évidemment, la science s'exerce dans le champ social. Et donc, il y a de la politique dans les choix, des financements, mais de ceci, là. Il y en a partout et on ne le nie pas. C'est mieux en le disant qu'on ne nie pas que ça existe et qu'évidemment qu'il y a des influences à ce niveau-là. De la même manière, quand on dit qu'on n'a pas envie de s'intéresser à un sujet pour des raisons qu'on a le droit d'expliquer ou pas, ça ne veut pas dire que ce sujet ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Tout à fait. Donc, j'irai voir ça parce que je suis de la chaîne avec assiduité. Et donc, je rappelle pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal. C'est très très bien, c'est du bon. Il a gagné un prix, c'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai un petit mot de l'auteur dans le livre que je ne vous lirai pas parce qu'il y a des choses que la morale. Non, la morale réprouve ? Non, ça va. Merci beaucoup, Stéphane. À très bientôt. De rien, merci à vous. Bonne nuit à tout le monde. À très bientôt aussi.